Et là, ça marche pas. Ça y est, madame. Ah non. La caméra. Non. Pourquoi? Là, j'ai coupé ma... J'ai un abonnement trop cher. Nous avons terminé le Teams de Microsoft Edge. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci. Bonjour, tous mes voeux à tous. Patrice Andriot de la NCT. Bonjour. Odile Kirchner, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer encore, mais je vais vous saluer. Et bonne année, meilleurs voeux aussi. Bonne année qu'on espère un peu plus culturelle et conviviale.
Du labo de l'ESS qui a réalisé cette étude. Odile Kirchner également qui l'a pilotée. Isabelle qui l'a coportée au sein de la caisse. Et puis dans l'équipe, dans mon équipe, Yves Aubry, dans l'équipe de Linda Rebou qui y a également contribué. Donc on va le voir à travers cette session, à travers justement 17 initiatives locales qui ont été étudiées et à travers les 17 monographies qui ont été réalisées. Nous, ce qui nous a particulièrement intéressé, ce sont les différentes typologies de territoires qui ont vraiment permis d'aller aux quatre coins de la France et d'aller aussi bien dans des zones rurales, dans des petites villes, dans des villes moyennes, dans des métropoles. Et c'est justement le terrain de jeu de la Banque des Territoires qui soutient un certain nombre de programmes territoriaux à l'image de Petite Ville de Demain, ou Action Cœur de Ville, ou Territoire d'Industrie, ou encore le programme Quartier Politique de la Ville. Et le rôle de la Banque des Territoires, c'est justement de faire émerger des projets de territoire, de faire émerger des modèles économiques. Donc ça, c'était la première chose. Une grande variété de typologies de territoire dans cette étude. Et puis également des initiatives collectives très variés, aussi bien sur les PTCE que sur les programmes alimentaires de territoire, ou que les territoires zéro chômeur, ou encore les tiers-lieux, les pôles de compétitivité, voire les clusters d'entreprises. Donc vraiment une grande variété de projets, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement dans le livrable de cette étude. Donc l'objectif, c'est bien sûr de capitaliser sur cette étude, de la partager le plus possible, et puis bien sûr d'inciter le plus grand nombre de territoires à les réaliser eux-mêmes. L'objectif de la Banque des Territoires, c'est aussi derrière de trouver des projets d'investissement pour pouvoir les essaimer sur un maximum de territoires. Alors quand on parle de dynamique collective de transition de territoire, on voit bien qu'on adresse pas mal de transitions qu'elle soit d'ordre économique, écologique, numérique aussi parfois. C'est un sujet qu'on adresse également sur le sujet de l'inclusion numérique. On a vraiment besoin de projets de ce genre-là. Et puis, vous rappelez enfin pour finir le soutien de la Banque des Territoires, puisque sur 2020, on a fait un petit peu c'est l'heure du bilan. On a financé à hauteur de 250 millions d'euros les projets dans le secteur de l'ESS et on s'engage à continuer à le faire sur 2021, à l'image de la convention qu'on a signée avec Olivia Grégoire, la ministre de l'ESS, l'économie sociale, solidaire et responsable, en novembre dernier. Donc voilà, des projets d'investissement, beaucoup d'accompagnement amont pour faire émerger ces modèles économiques,
Et puis bien sûr, la valorisation des impacts extra-financiers, puisqu'on considère qu'un projet, enfin la réussite d'un projet, ne tient pas seulement à des KPI financiers, mais bien sûr à toutes les externalités positives, socio-économiques qui sont générées. Merci. Merci beaucoup à vous. Dans un premier temps, je vous propose quelques éléments de contexte et de définition sur ce travail dynamique collective de transition dans les territoires, donc une étude transversale pilotée par Odile Kirchner, on l'a dit, ancienne déléguée interministérielle à l'ESS. Cette étude, elle a été initiée fin 2018 à l'initiative et à l'inspiration de Claude Alfandéry pour croiser des expériences d'initiatives qu'on savait nombreuses, foisonnantes, partout en France et en même temps très diverses. Œuvrant toutes, certes, par la coopération entre acteurs, collectivités territoriales, habitants, entreprises, associations, viviers divers de l'économie sociale et solidaire, œuvrant toutes pour des territoires résilients et solidaires, mais avec une palette qu'on a volontairement, vous l'avez dit, voulu garder très large et très riche, à la fois en termes d'objectifs, puisque ces projets avaient des objectifs variables, étaient également arrivés à des stades de maturité divers. On a pu étudier des initiatives en émergence et d'autres bien installées, voire en phase de consolidation d'essaimage. Et puis, elles intervenaient toutes à des échelles géographiques variables, à l'échelle de la communauté de communes assez souvent, de la métropole, voire au-delà du pays, par exemple, ou de la région du bassin de vie. Sur la raison d'être, plus précisément, de cette étude, elle était de consolider 14 types de dynamiques que nous avons pu étudier. Christophe Janter en a cité certaines, pôles territoriaux de coopération économique, clusters d'entreprises, territoires zéro chômeur de longue durée, projets alimentaires territoriaux, territoires à énergie positive, monnaie locale, tiers-lieu, marque de territoire. Autant de manières de montrer que nous œuvrons au labo de l'ESS pour une économie sociale et solidaire sans rivage, vraiment de manière décloisonnée et ouverte sur l'ensemble de ces initiatives. Tous ces projets sont incontestablement leviers de transition et en même temps, on percevait déjà au labo de l'ESS ce besoin de connexion entre les porteurs de projets, d'où une étude transversale qui avait pour objectif et pour ambition de capitaliser sur ces expériences respectives, mais aussi concrètement de les faire se rencontrer dans une logique d'échange de pair à pair. Cela a pu être possible grâce à une méthodologie que nous avons déployée pendant plus de 18 mois. Comme d'habitude, le labo a travaillé de manière ascendante en partant du terrain. Donc, ces 14 types différents d'initiatives ont donné lieu à 17 études de terrain, donc des visites de 2 journées. Et on remercie encore l'ensemble des porteurs de projets qui se sont mobilisés pour nous accueillir lors de ces visites. Des réflexions collectives aussi et des échanges de pair à pair lors de 3 séminaires, un ici même d'ailleurs à la Caisse des dépôts et d'autres à la CGSCOP. Ces échanges ont pu donc avoir lieu entre porteurs de projets et avec des institutionnels, notamment les régions qui sont également partenaires de cette étude, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France. Nous en sommes aujourd'hui à vous proposer un certain nombre de livrables à visée opérationnelle pour cette étude d'action, 17 monographies qui reprennent donc le travail terrain qui a pu être réalisé, un pré-rapport qui a été publié au début de 2020 et le rapport final qui sera publié aujourd'hui, qui reprend tous les enseignements tirés de ces terrains, les outils et méthodologies qui ont été appliqués pour ce travail, qui sont innovants, et des propositions à visée tout à fait opérationnelle. Aujourd'hui, nous vous proposons le séminaire national et final de restitution de ce travail. Sachez qu'il a été précédé par des restitutions régionales à la fin de l'année dernière, dans des conditions pas toujours évidentes, mais on remercie à nouveau nos partenaires d'avoir permis cela. En septembre 2020, nous sommes allés à Dole dans le cadre de la conférence régionale ESS. En octobre, au Festival de Tau en Occitanie. Et en décembre 2020, nous avons pu restituer cette étude avec les Hauts-de-France et la Crèce Hauts-de-France. Pour vous donner et vous permettre de visualiser un peu plus la cartographie de ces initiatives, donc j'en ai parlé, il y en a 17, 5 sont présentes aujourd'hui, on les remercie beaucoup de leur mobilisation, donc elles sont présentes à distance, mais on aura l'occasion de leur donner la parole dans 2 formats qu'on vous propose aujourd'hui. D'abord des pitchs inspirants, ce sera le cas de tiers-lieu Blida à Metz et la Chantrerie à Nantes,
Puis Diane de Maréchal de l'Institut pour la Recherche animera dans une seconde partie une table ronde avec trois autres porteurs de projets, le pôle alimentaire territorial du Douaisis, Village du futur dans le Morvan et l'initiative Mine d'idées portée par la Fondation de France dans le Nord. Sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Odile Kirchner pour nous donner les premiers enseignements de cette étude. Odile Kirchner, vous êtes pilote et rédactrice de cette étude, ancienne déléguée interministérielle à l'économie sociale et solidaire. Vous êtes cofondatrice actuellement du tiers-lieu La Palanquée à 7 et administratrice de France Tiers-lieu. Donc, je vous cède la parole pour nous donner les premières conclusions de ce travail. Merci beaucoup, Marie. J'allume au départ ma caméra parce que c'est quand même sympa de pouvoir vous dire bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais j'espère au moins que vous puissiez me voir quelques instants. Et merci à la Caisse des dépôts d'organiser l'occasion de cette restitution. Je vois qu'il y a 140 participants, donc ça nous fait toujours grandement plaisir de pouvoir partager sur cette étude qui nous a beaucoup mobilisés. Et je dis « nous » pour inclure dans ce « nous », bien évidemment Nicolas qui a été le fer de lance de cette étude, chez Vivouvrière de toute cette étude, qui a aussi beaucoup participé à la rédaction, mais j'englobe également Claude Alvandéry et Hugues Sibyl qui l'ont piloté avec moi, ainsi qu'une task force dont Isabelle, et donc on avait réuni tout un groupe de personnes, d'experts, qui non seulement venaient opérer des visites terrain avec nous, mais également dans un comité de pilotage, nous a permis de jalonner toute la progression de cette étude. Donc c'est toute cette task force que je voudrais associer à ces remerciements et à cette présentation. Alors je coupe ma caméra, voilà, pour que ça soit plus facilement audible. Alors comme vous le voyez, en fait, notre souci principal, c'était vraiment de faire avec ce travail un travail partageable, appropriable par le plus d'acteurs possibles qui soit conduisent actuellement des dynamiques de transition sur les territoires et donc les aident à consolider leur démarche, soit aident d'autres acteurs à faire émerger de nouvelles dynamiques de coopération. Donc, on a vraiment voulu faire un travail qui soit très pratique, très concret. Et dans le rapport, si vous avez eu l'occasion de le parcourir, vous voyez qu'on a toujours cherché à faire dialoguer à la fois des enseignements généraux, ce qu'on tire comme idée principale, mais également des éléments extrêmement pratiques. Alors, ce rapport se structure en quatre parties. Bon, d'abord, l'analyse et la capitalisation d'expérience sur les facteurs clés de succès et freins. Ensuite, on a justement voulu vraiment outiller l'ensemble des acteurs en recensant énormément d'outils et de méthodes qu'on a pu collecter à travers ces enquêtes terrain pour aider à construire une ingénierie de soutien à l'émergence et à la consolidation des dynamiques collectives de territoire. Le troisième chapitre porte sur l'évaluation de la valeur ajoutée sociétale créée. Je reviendrai sur le pourquoi de cette terminologie que nous avons préférée à celle de l'impact social. Et puis, on a conclu en disant que pour que l'ensemble de ces dynamiques collectives de transition sur les territoires qui très souvent traitent finalement que d'un seul aspect de la transition, soit de l'économique, soit du social, soit de l'emploi, soit de l'écologique, soit des énergies renouvelables, mais il y en a très peu qui traitent de l'ensemble de ces dimensions. La seule façon de pouvoir conduire une transition sur les territoires durable, c'est de réussir à faire système ensemble. Et donc l'idée, c'est d'essayer de proposer la façon dont, à partir de chacune de ces transitions, on peut créer des communautés apprenantes locales sur les territoires pour faire système ensemble, parce que c'est à notre sens que c'est de ce faire système que peut se créer une résilience sur un territoire. Doter un territoire d'une capacité de résilience, ça lui demande de vraiment de pouvoir s'appuyer sur un écosystème de tous ces acteurs portant de la transition, d'une transition dans les différents domaines. Alors, je passe à la diapo suivante. Pour détailler donc dans les facteurs clés de succès et frais et dans les facteurs clés de succès et des freins, on avait travaillé par atelier autour de 6 thématiques. D'abord, comment construire une coopération durable avec des acteurs diversifiés. La deuxième thématique, c'est sur le rôle des pouvoirs publics locaux. La troisième, sur l'implication des habitants. Je vais revenir dans le détail sur ces trois thématiques-là.
La quatrième, c'était le besoin de réussir à faire émerger par ces dynamiques de transition une culture entrepreneuriale sur le territoire. Donc, il y avait des cas où elle était préexistante sur le territoire. Par exemple, quand on est allé voir le cluster d'entreprises dans le Cholet, on sait bien qu'il y a un esprit d'entreprise qui est vraiment ancré dans la culture du territoire. Mais il y a d'autres cas, comme par exemple l'ancien bassin minier dans le Pas-de-Calais, où on n'a pas du tout, en raison du passé économique de ce territoire, cette culture entrepreneuriale. Et tout le travail de la Fondation de France, avec l'action qu'ils ont menée, qu'ils ont appelée Mine d'idées, c'était de réussir à faire naître une culture entrepreneuriale parmi les habitants eux-mêmes. La cinquième thématique porte sur les modèles économiques, j'y reviendrai. Et puis la sixième thématique portait sur la gouvernance et les différentes formes juridiques et la façon dont on peut être très vigilant sur le fait de bâtir des gouvernances qui sont capables de se relayer. On a pu constater souvent que ces dynamiques collectives de transition, elles émergeaient porté par des leaders qui avaient un rôle assez charismatique. Et très vite, il est apparu que si la dynamique ne crée pas d'emblée les conditions de passage du relais, eh ben, elle mettait en danger sa propre pérennité. Alors, je vais revenir dans le détail sur quatre de ces thématiques-là. On peut passer à la diapo suivante. Merci Nicolas. Voilà. Donc, premier sujet, comment réussir à construire dans le temps des coopérations avec des acteurs très diversifiés. Donc, dans le temps, parce que le premier enseignement, c'est que le facteur temps est absolument essentiel. Hein, surtout pour construire une coopération, ça met plus de temps que si on agit seul. Et donc, avec des acteurs très diversifiés, économiques, sociaux, ESS, non-ESS, ça met encore plus de temps. Mais donc, on a vraiment vu que c'est ce facteur temps et c'est un enjeu pour la dimension économique est absolument majeur pour réussir à les conduire et à créer réellement une valeur ajoutée sociale sur le territoire. Donc là, je vous en cite quelques leviers de la coopération, mais c'est peut-être juste pour vous donner envie d'aller creuser un peu plus le sujet en allant regarder dans le détail ce que le rapport vous propose. Évidemment, on part de l'idée que pour créer une coopération, il faut identifier un projet et des objectifs communs. On a pu voir que du moment qu'on arrive à bien identifier des objectifs communs, on réussit à créer une coopération avec des acteurs qui sont très, très diversifiés. Donc, c'est le cas, évidemment, des pôles territoriaux de coopération économique avec des acteurs ESS et non-ESS que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Mais c'est aussi le cas, par exemple, des projets alimentaires territoriaux qui sont très souvent portés avec des collectivités locales, mais qui réunissent toute une série d'acteurs très diversifiés, associatifs, dans l'alimentation, des agriculteurs, des réseaux de distribution. Et donc, il y a vraiment une capacité de conduire une action transversale avec des acteurs très, très différents les uns des autres. C'est le cas aussi de la Biovallée dans la Drôme, qui là concerne finalement tous les acteurs économiques, politiques et sociaux de ce territoire. Pour réussir à fonder et à donner du cœur à cette coopération, du corps et du cœur, et j'insiste sur le cœur à cette coopération, c'est très important de procéder par des victoires rapides qui permettent de la consolider et puis de passer d'une étape à l'autre. Et là, on avait cité comme exemple la chaufferie bois qui avait été réalisée par la Chantrerie, et il y a Bernard Lemoult qui est là tout à l'heure, je pense qu'il vous en parlera. Troisième élément qui était très souvent mis en exergue, construire un récit fédérateur. Et là, on en a souvent discuté aussi avec Jean-François Caron et Julien Perdrija de la Armée des Transitions. C'est eux notamment qui ont été porteurs de cette idée du récit. Et ça nous a paru absolument fondamental. Ça permet de créer un passé commun,
Souvent, cette dynamique, elle se crée sur ce territoire parce qu'il y a une raison hein, de pourquoi, d'où elle vient. Elle vient parce qu'il y a un problème à régler ou bien parce qu'il y a une opportunité. Et donc, il faut commencer par partager ensemble le passé du territoire et pour construire l'avenir et ce qu'on va y apporter de nouveau, pour construire cette vision commune, le passage par le récit est extrêmement important, y compris le récit de la manière dont on a construit la dynamique. Enfin, fondamental aussi, cultiver le plaisir de faire ensemble, parce que c'est ça qui donne aux gens envie de continuer. Hein. On a vu très souvent que lancer quelque chose, c'est finalement assez aisé. C'est beaucoup plus difficile de la faire tenir dans le temps. Et donc, il faut que tout le monde s'y retrouve et a envie de continuer à partager. Et pour ça, ben, ça veut dire qu'il faut créer les événements qui permettent de cultiver ce plaisir. Bien évidemment, définir un cadre de gouvernance qui est propice à cette coopération et durable dans le temps, j'en ai déjà parlé. Réaffirmer sans cesse son désir d'être pionnier, ça c'est l'idée de, là aussi, de durer, c'est-à-dire de, ok, on a commencé, on a réussi quelques victoires, mais il faut être en permanence, se bousculer et chercher, on est là pour conduire une transition. Donc chercher à innover de manière permanente, se renouveler. Parce que sinon aussi, on peut se lasser de ce qu'on a commencé à faire. Et puis enfin, évaluer. Je reviendrai là-dessus quand je parlerai de la valeur ajoutée sociétale créée, mais la question de l'évaluation, elle est essentielle. Elle n'a pas toujours été pratiquée. Tout le monde la juge comme essentielle, mais on a encore beaucoup de travail à faire souvent pour la mettre en œuvre régulièrement. Alors, dans ce rapport, outre les pratiques et les outils qu'on essaie de vulgariser, on a cherché à chaque fois à énoncer des recommandations à la fois à l'adresse des pouvoirs publics, nationaux ou locaux, mais également auprès des acteurs qui conduisent les dynamiques de coopération sur les territoires, et puis d'autres acteurs plutôt comme de type partenaire ou financier, comme les fondations ou comme la Caisse des dépôts, je vais dire aussi. Donc là, j'en ai sélectionné quelques-uns et autour des coopérations, on voudrait inciter les acteurs comme la Caisse des dépôts et d'autres pouvoirs publics ou d'autres financeurs, partenaires financeurs, à privilégier des appels à projets coopératifs ou ce qu'on peut appeler dans certains cas des appels à communs, plutôt que des appels à projets individuels. Très souvent, ça ne fonctionne que par des appels à projets individuels, ce qui finalement conduit à mettre en concurrence les différents acteurs qui portent des transitions sur les territoires, alors que justement, il faudrait au contraire, par ces appels à projets, les inciter à coopérer les uns avec les autres. Alors, deuxième sujet que je détaille, sur le rôle des pouvoirs publics locaux. Donc, les pouvoirs publics locaux sont assurément un partenaire incontournable des dynamiques collectives de transition sur les territoires, que ce soit à l'échelle des COMCOM, des départements ou des régions, ou bien des communes ou des villes, quand on est dans une situation de métropole. Hors grandes villes, on a beaucoup vu des dynamiques qui se créent au niveau de communautés de communes. Hein. Ça, ce sont des acteurs qui sont devenus absolument essentiels. Il y a un certain nombre de dynamiques que nous avons rencontrées, visitées et associées qui ont été initiées par des collectivités territoriales. C'est le cas, par exemple, du PAT du Douaisis. Donc, vous allez en avoir un exemple direct, mais c'est le cas aussi, je peux prendre l'exemple du territoire énergie positive du cœur Haute-Lande, extrêmement intéressant, où évidemment, vous allez avoir le cas aussi des villages du futur. Mais dans d'autres cas, et même dans le cas des dynamiques initiées par des acteurs publics locaux, il y a des choses très intéressantes à discuter sur leur rôle et comment finalement ils sont essentiels, mais que si on voulait résumer, sauf quand ils sont au même porteur, l'important c'est qu'ils arrivent à se positionner pour soutenir sans étouffer. C'était la terminologie qu'on avait finalement consacrée. Alors, derrière ça, il y a avant tout, et ça, ce n'est pas tout à fait évident, hein, c'était tout un changement de culture à initier dans le dialogue avec les pouvoirs publics, il y a un sujet de changement de posture. Hein, et là, quand on parle de changement de posture, on parle surtout des communautés de communes.
Donc, accepter et comprendre que finalement, des citoyens, des habitants, des associations vont être d'abord honte à s'occuper du développement économique et social d'un territoire, qu'ils ont à jouer leur rôle dans la construction d'un projet de territoire. Ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Au départ, les élus locaux, ils se sentent investis de ce rôle-là. Ils ont été élus pour ça, me pensent-ils, et donc finalement, c'est leur affaire. Donc, il y a tout un travail d'acculturation pour comprendre que c'est aussi une affaire des habitants et que c'est tout l'intérêt des élus que les habitants et les citoyens se prennent en charge pour eux-mêmes conduire des éléments de la transition nécessaire à impulser sur le territoire. Et derrière ça, il y a le fait qu'ils comprennent aussi que finalement, dans la manière de conduire, de penser et de conduire cette dynamique, ces acteurs de la société civile vont souvent être mieux placés que les élus eux-mêmes. Et à titre d'exemple, et ça pourrait être discuté encore avec la table ronde, avec l'exemple du PAT du Douaisis, c'est clair que souvent les PAT sont lancés à l'initiative des pouvoirs publics locaux et leur rôle est très important. Mais on voit bien qu'à un moment donné, si sur la gouvernance, ils ne lâchent pas un peu prise et qu'ils ne donnent pas un peu la main, qu'ils n'ouvrent pas le jeu, par exemple, sur le choix des projets que l'on va financer dans le cadre du PAT, en donnant un peu plus la voix aux associations pour être partie prenante du choix des initiatives, et bien finalement, on crée quelque chose dans lequel on se prive d'une implication plus forte des acteurs. Donc, il y a vraiment tout un travail à faire sur ce changement de posture. C'est quelque chose aussi que je constate énormément dans les tiers-lieux, hein, puisque comme le disait Marie, j'ai lancé la création d'un tiers-lieu avec un collectif d'habitants ici, et dans lequel on a une forte implication avec la communauté de communes, avec la communauté d'agglomération. Mais dans tous les tiers-lieux, on voit bien qu'il y a un sujet très important du lien et de la positionnement des communautés de communes. Donc, au-delà de ça, bien évidemment, les pouvoirs publics locaux, ils ont un rôle de facilitateur, ils ont un rôle de décodeur des procédures, des pratiques, des éléments à mettre en place quand on a des acteurs de dynamique de transition, ils ne sont pas tous des juristes et ils ne connaissent pas tous la réglementation. Donc, il y a aussi un travail très important dans le lien avec les pouvoirs publics sur ce sujet-là. Ils sont évidemment très souvent financeurs et ils peuvent aussi apporter des ressources humaines. On a vu un certain nombre de cas de mise à disposition de personnes qui sont tout à fait intéressants. Enfin, ils peuvent avoir un rôle d'aménageur ou de mise à disposition de foncier et de bâti. Vous savez que si en France fleurissent des tiers-lieux un peu partout sur les territoires, et tant mieux, et on en est particulièrement ravis, parce que moi, je pense réellement que les tiers-lieux ont un rôle très important sur le développement des territoires. Ben, souvent, c'est dans le cadre de friches industrielles ou de mise à disposition de lieux qui sont tout à fait inexploités. Et puis enfin, le rôle des pouvoirs publics locaux ont finalement plus de marge de manœuvre que ce qu'ils font souvent, parce qu'il y a ce droit d'expérimentation avec des conditions plus faciles en termes de financement, des procédures plus légères qu'ils n'exploitent pas suffisamment. Donc, en adresse des pouvoirs publics, en termes de recommandations, on voudra bien, on a tout un certain des développements, on a pu sentir à quel point il était nécessaire d'apporter des développements sur la co-construction dans les… Alors, je reprends parce que c'est, pour vous expliquer ça, je crois que c'est quand même un sujet important. Je crois qu'on me presse sur le temps. Donc, je voulais vérifier un peu le timing. Donc, je reprends sur cette recommandation. On peut voir souvent des cas où il y a des projets qui sont discutés avec les pouvoirs publics locaux en amont. Mais quand on va passer au moment de la réalisation… la réglementation des marchés publics oblige le fait de passer par une mise en concurrence. Donc, on ne peut pas avoir une continuité entre un projet qui est développé en amont et sa mise en œuvre. Donc, ça demande une évolution de la réglementation. Et je détaille ça parce que je pense que quand même parmi les participants qu'on a aujourd'hui, c'est un sujet très important à développer. Et puis, derrière ça, il y a aussi tout un sujet de formation
à la fois des élus et des services sur les démarches de co-construction, sur les démarches de coopération et notamment sur les formes juridiques des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui est la forme idéale pour accompagner et porter des projets réunissant différentes parties prenantes sur un territoire. Alors, je crois que j'ai épuisé mon temps de parole. Donc, vous allez me dire si c'est le cas. Donc, je ne vais pas détailler ça. Donc, on a évidemment le sujet de l'implication des habitants. Mais ce qu'on a vu, surtout, le sujet, ce n'est pas tant d'impliquer les habitants, mais plutôt de comment faire en sorte que les habitants s'impliquent eux-mêmes. Donc là, il y a énormément d'exemples et de choses très intéressantes qui sont citées dans le rapport là-dessus. Et puis, le sujet suivant que je voulais détailler concerne les modèles économiques. Mais là aussi, je vais vous inviter à aller voir directement dans le rapport ou sinon, je répondrai à des questions. Enfin, sur l'ingénierie de soutien, je crois réellement qu'on a recensé là quelques-uns des outils, des méthodes, hein, mais là, j'en ai parlé pour un certain nombre, construire un récit, ancrer les dynamiques dans un lieu visible, et ça, c'est tout l'intérêt des tiers-lieux. On a pu voir que s'il n'y a pas un lieu physique, finalement, c'est beaucoup plus difficile de réussir à donner de la visibilité d'une dynamique sur un territoire et il y a aussi un besoin d'un lieu où les personnes se rencontrent. Hein. Donc, cette question du lieu, elle est très importante. Et je citerai simplement également le rôle des événements culturels. On a parlé tout à l'heure du plaisir de faire ensemble, mais on a pu constater à quel point, et c'est ça notre grand malheur en ce moment, ne pas pouvoir créer d'événementiel, ne pas pouvoir créer d'événements culturels, ça, et c'est bien évidemment donc tout le monde le comprend, ça nuit terriblement à toute dynamique collective. Alors, un mot pour finir sur l'évaluation de la valeur ajoutée sociétale créée. On a préféré ce terme au terme de l'impact social parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on parle d'un impact, très souvent, impact social, ça va finalement concerner un certain nombre d'indicateurs quantitatifs qu'on va identifier ex ante et qu'on va chercher à mesurer ex poste. Donc ça, ça limite trop la démarche sur des indicateurs quantitatifs ou monétarisables. Sortons de cette démarche d'évaluation monétaire. Acceptons de prendre plutôt des analyses multicritères qui peuvent être des critères qualitatifs et dans lesquels on va coter l'atteinte de résultats et qu'on va surtout mesurer d'une année sur l'autre. Et puis, ce qui nous permettre de faire, donc on parle de valeur ajoutée sociétale créée, c'est travailler sur tous les effets induits, donc sur tout l'ensemble de la chaîne de valeur créée. Et puis, enfin, c'est surtout, ça nous amène à questionner profondément ce qui fait valeur. Et finalement, travailler sur une évaluation, c'est non seulement un outil de pilotage interne, ça vous le savez, c'est un outil de pilotage externe et de dialogue avec les partenaires, avec les habitants, avec les financeurs, mais c'est également un outil qui permet régulièrement de se repositionner sur finalement qu'est-ce qui fait valeur, est-ce que ce qu'on a créé sur le territoire, ça continue à faire valeur pour le bien-être des habitants et pour le bien-être du territoire. Alors, juste en conclusion, je voulais vous dire que là, quand on a ressorti le rapport après le pré-rapport, j'étais amenée à écrire un édito. Et finalement, en écrivant cet édito en décembre, je me suis dit que quand on avait conclu notre dernier séminaire avec Claude Alfandéry et Yves Sibylle en février 2020, dans les locaux de la Caisse des dépôts d'ailleurs, on était loin de se douter que quelques semaines après, on allait aller surgir cette pandémie, en tout cas cette pandémie qui était encore en Chine à ce moment-là, allait nous atteindre également, comme elle atteigne tous les pays du monde, et qu'on allait se retrouver dans un confinement qui finalement a replacé tous les sujets du territoire au centre. On est très loin de penser à tout ça. Et finalement, tout ce qu'on a pu travailler dans cette étude sur le rôle des territoires et les dynamiques qui crée sur les territoires plus,
plus de transition, plus de solidarité, un autre développement économique et complètement au centre de toutes nos préoccupations d'aujourd'hui. Donc, notre souhait le plus cher, c'est que ça puisse servir à tous les acteurs qui, aujourd'hui, et plus que jamais, continuent à s'attacher à ces objectifs. Merci beaucoup, Odile, de ces grandes lignes de l'étude qui n'est pas facile de présenter comme ça succinctement. C'est vrai que ce travail il prend un relief tout particulier dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de passer à une première partie interactive avec des questions-réponses. Et Odile, si vous voulez à cette occasion allumer votre caméra pour répondre aux différentes questions qui ont pu être posées dans la conversation et qui vont vous être sélectionnées par Nicolas Gerglova, qui est aujourd'hui responsable des projets et du développement au labo et qui a travaillé sur cette étude. Merci. Merci Marie. Merci. Je me permets effectivement donc, d'attirer l'attention sur certaines questions qui ont pu être posées par l'intermédiaire du chat. Démarrons peut-être, Odile, tu l'as mentionné. Les SIC sont un format qui est effectivement tout à fait propice à outiller, à donner un cadre pour développer des coopérations, notamment également privé-public, mais comme remarque Marie Brache, les institutions sont souvent frileuses à s'y impliquer. Je pense que tu peux toi aussi personnellement témoigner par rapport à tes autres projets. À ce sujet, effectivement, le souligne dans le rapport la nécessité de favoriser des formations côté collectivité, que ce soit technicien ou élu, sur ces aspects techniques. Mais tu peux peut-être développer, Odile. Oui, mais je pense que c'est surtout par méconnaissance. Quand on regarde un peu le sujet des tiers-lieux, parce que finalement, il y en a beaucoup qui utilisent à la fois une forme d'association et une forme de SIC, ou quelques-uns qui n'ont que une forme de SIC, c'est parfaitement adapté. C'est vrai que la première fois que j'ai parlé d'une SIC au président de la communauté de communes de cette agglopole méditerranée, où je vous dis encore pire, au chef du service juridique, à la chef du service juridique. Bon, ça s'est quand même pas très, très bien passé. Je me suis dit, sortie de là, assez désespérément, en me disant, là, vraiment, il y a du boulot. Et puis finalement, en comprenant comment ça fonctionne, en s'assurant du fait que derrière la SIC, il y a finalement trois types de modèles économiques de société. On est soit une USA, soit une USARL, soit une USAS. Et quand on est une USA, on peut avoir un conseil d'administration. Et donc, les élus, les pouvoirs publics locaux peuvent avoir des représentants dans le conseil d'administration. Donc, il y a plein d'éléments de réglages juridiques qui peuvent se faire. Et dès lors qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, et ben finalement, ils en sont très contents. Ils se sont complètement investis. Et moi, quelques semaines plus tard, je voyais ma chef des services juridiques défendre dans les réunions avec la région le modèle de la SIC comme le modèle le plus pertinent pour pouvoir porter un projet de tiers-lieu. Donc, je crois que c'est surtout ça. C'est surtout une question de formation, de compréhension, parce que ensuite, derrière la SIC, le gros intérêt, c'est qu'il y a, quand il y a dotation au capital, c'est finalement pas un… Ça reste en actif de la collectivité, donc il y a un gros intérêt également. Et puis, les risques financiers sont quand même assez limités. Donc, moi, je crois que la SIC a beaucoup de perspectives devant elle. Je pense qu'il y a encore des choses à alléger sur le régime juridique des SIC et on s'y emploie. Je sais d'ailleurs qu'il y a une mission qui a été demandée par Olivia Grégoire par mission IGF et IGAS, mais avec notamment France Tiers-Lieux, on est en train de travailler aussi là-dessus. Donc, je crois que ça se fait. Quand c'est mieux connu, les SIC demandent à être connu. Et quand c'est mieux connu, je pense que c'est quelque chose qui va se développer beaucoup. C'est une question qui, en quelque sorte, rejoint aussi celle peut-être plus générale de Christophe Vernier de la Fondation Crédit Coopératif sur comment améliorer le dialogue entre les collectivités et les acteurs ESS, notamment pour sortir de la logique, de la seule logique des appels d'offres ou de commandes publiques. Effectivement, ça passe aussi par ce type de nouveaux cadres et de nouveaux cadres de co-construction. Mais peut-être que tu as d'autres éléments. Ensuite, je crois qu'on va devoir passer au témoignage inspirant. Le temps passe vite, mais peut-être quelques mots. Moi,
par rapport à ce que dit Christophe, ce que je constate aussi, vous savez, finalement, je suis en train de… tout en menant cette étude, d'ailleurs, parce que j'ai lancé le projet du tiers-lieu La Palanquée à 7 en même temps que je commençais à piloter cette étude avec le labo, j'ai été à l'épreuve des faits sur le terrain. Et toute déléguée que j'ai été, j'ai appris énormément de choses. Quand on apprend énormément de choses quand on est à la manœuvre, sur le terrain, en train de construire quelque chose. Et là, je me suis aperçue que, comme tous, j'imagine, dans cette conférence, tout le monde connaît la politique de la ville et tout ce qui se fait en matière de politique de la ville. Et ben, j'en parle parce que les contrats de ville, c'est un outil formidable de dialogue entre les acteurs de l'OSF et les collectivités territoriales, les pouvoirs publics. Parce que c'est un moment où forcément on va discuter ensemble de ce qu'on va projeter à faire sur le territoire, mais également ça donne lieu à des réunions entre les différents acteurs associatifs et les collectivités territoriales. Donc c'est aussi un lieu, un ancrage possible pour créer des coopérations entre tous les acteurs. Donc, je rends hommage à cette politique de la ville qui est quand même très très active dans notre territoire et qui, je pense, est un magnifique levier pour les collectifs de transition. Parfait. Je vous propose de passer à la section suivante avec les pitchs, les témoignages inspirants. Et nous démarrons avec Bernard Lemoult de La Fulle, chantrerie de Nantes. S'il veut bien activer sa caméra. C'est fait. C'est fait. Bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. On vous donne carte blanche pour nous expliquer votre dynamique de transition que vous avez su nouer donc, avec au départ 5 acteurs, avec l'IMT Atlantique en tête, dont vous êtes le directeur recherche. Donc un projet qui clairement s'est basé sur une victoire rapide, alors a-t-elle été rapide, d'une chaufferie de bois. Racontez-nous tout ça, merci. Merci pour cette invitation. Merci pour la carte blanche. Donc, je vais prendre une heure et demie à peu près. Vous avez 8 minutes. Bon, d'accord. Alors, je suis effectivement directeur de recherche à IMT Atlantique, anciennement École des Mines, et je dirige également le Collège des Transitions Sociétales, dont on en parlera brièvement après. Alors, le récit que je vais raconter, pour prendre un peu de recul derrière, c'est le récit d'un territoire qui se situe au nord de Nantes, dans un quartier qui comprend à peu près 4000 salariés. Donc il y a les entreprises publiques, privées, il y a 4000 étudiants parce qu'il y a une concentration d'établissements d'enseignement supérieur, puis à peu près 1000 habitants, donc vous avez un écosystème d'environ 9000 personnes. À cette époque, il y a 12 ans, personne ne se parle en fait sur ce territoire. Les directeurs se rencontrent à Nantes, à la métropole, à la région, à Paris, mais jamais sur le territoire. Donc on y va pour travailler, puis on repart le soir. Il y a 12 ans, je propose, c'est peut-être un peu un hasard, je propose un projet de chaufferie bois et de réseau de chaleur à mes collègues, à une époque où le baril monte à 140 $, donc tous les indicateurs sont au vert. Et puis il se trouve, et donc c'est un hasard, il se trouve que la collectivité trouve le projet super, mais ne se saisit pas de ce projet pour en faire une délégation de service public. Et là, en fait, on arrêtait le projet, soit on portait le projet par nous-mêmes, mais par nous-mêmes, ça veut dire créer une structure. Et donc nous avons créé une structure privée, une association privée d'établissements publics, c'est un peu cocasse, mais c'est une association de propriétaires. Et en moins de deux ans, nous avons consulté, signé et un an de réalisation derrière à travers un appel d'offres et puis un contrat signé avec un opérateur. Nous avons signé un contrat de financement, de construction, d'exploitation d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur. Et alors, tout s'est fait dans les temps, tout s'est fait avec la qualité. Personne n'avait vu un projet avancer aussi vite. Hein. C'est normal, ce n'est pas un projet métropolitain, donc ça, on peut aller plus vite. Et puis, un petit clin d'œil au passage. Et puis, on en retire deux leçons. Une fois qu'on a mis en service le projet, première leçon, c'est que les partenaires, les 5 établissements dont vous parliez tout à l'heure, en fait, se regardent et font ce que j'appelle le waouh. Waouh, c'est on a fait quelque chose ensemble.
non seulement on a porté un projet dans les temps, dans les coûts, mais en plus, on a appris à se connaître, on a pris du plaisir, il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu des moments de plaisir. Voilà, on a porté un projet et en plus, il a du sens, même si au début, vous imaginez, quand vous avez des personnes qui ne se connaissent pas, l'enjeu, il est économique, hein. Il n'est pas réduire les émissions de CO2. Donc, on a un premier projet du collectif qui porte sur un enjeu écologique, un enjeu, pardon, économique, pas écologique, justement. Et puis, de son côté, la collectivité fait le même waouh. Il dit, waouh, c'est la première fois qu'on voit un collectif se prendre en charge. De partenaires en région des Pays de la Loire. C'est devenu la petite musique de fond. Comment on fait pour faciliter l'émergence de projets portés par la société civile? Et quand je dis société civile, c'est entreprises, agriculteurs, associations d'habitants, en articulation avec une politique publique engagée. Parce qu'il faut effectivement, au niveau interco, commune, comment on fait ensemble, comment on coopère pour faire émerger les projets, parce que compte tenu des échéances écologique et démocratique, et il est clair que ce n'est pas l'État et la collectivité qui va pouvoir faire seul. Et ce n'est pas non plus les citoyens et les entreprises. Donc la question, c'est vraiment comment on fait ensemble. Alors en 2020, où on en est à la Chantrerie, on a une vingtaine d'adhérents. Les entreprises privées nous ont rejoints. Il y avait des grands groupes, des ETPI, des entreprises moyennes. Vous avez aussi l'association des habitants, donc une vingtaine d'organisations qui nous ont rejoints. On a 6 commissions, on a porté des projets qui sont des premières nationales, régionales ou voire métropolitaines. Donc vraiment, on porte ces projets avec un principe qui est chacun fait sa part. Hein. Donc jusqu'à encore récemment, on n'avait pas de salariés. C'était chaque établissement privé-public acceptait de mettre du temps de collaborateur au bien commun, quelque part, au commun du territoire. Donc 6 commissions. Et puis le troisième volet qui est ressorti, c'est la question du plaisir, parce qu'aujourd'hui, vous avez un collectif d'une vingtaine d'organisations qui se rencontrent en petit déjeuner tous les 3 mois et qui prennent un plaisir fou à refaire le monde, à porter des projets, à faire un point sur tel et tel projet, etc. Donc il faut que ça avance, hein, c'est clair. Donc il faut des petites victoires, comme on dit, mais il faut aussi des grandes ambitions. Et les grandes ambitions que se sont données ces partenaires, c'est d'inventer les modes de vie du 21e siècle, rien que ça, en s'appuyant sur la collectivité, mais surtout pas que la collectivité pilote les projets. On souhaite absolument porter ces projets nous-mêmes. Alors, quelques points pour terminer. Le premier, c'est, vous imaginez bien, et c'est souvent le cas dans des projets, il y a un créateur au départ, que je suis, qui développe, donc qui crée, il développe, il entraîne. C'est la grande problématique du leadership et d'embarquer un collectif. Et se pose un moment la question de la transmission. Donc, il y a 3 ans, j'ai annoncé que je passerai la main. J'ai annoncé il y a 3 ans pour fixer la date de 2020, donc 3 ans après. Et on a mis 3 ans, effectivement, parce que ça n'a pas été facile. On est passé par une phase d'élection sans candidat, où mes partenaires, les entreprises m'ont regardé avec des grands yeux en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Voilà, donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs aussi pour rassurer celui qui allait prendre la suite, avec beaucoup plus de gouvernance partagée, parce que autant en création, en développement, il faut du leadership assez rythmé. Et là, on passe dans une phase de consolidation et d'élargissement et on a besoin de gouvernance partagée, donc beaucoup plus de répartition de la gouvernance. Et puis, si je devais tirer une leçon de cette expérience et qu'on partage d'ailleurs dans le cadre de l'Action Recherche avec les 30 partenaires et d'autres territoires, les interco, etc., de la région des Pays de la Loire, je dirais que le premier point, c'est l'intérêt du premier projet. Il est majeur sur une zone d'activité. C'est pas forcément, ça peut être les déchets, ça peut être l'énergie, ça peut être la sécurité, mais le premier projet, il est majeur, c'est la question de l'intérêt. On coopère s'il n'y a pas un intérêt. Voilà.
Donc, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est la question du dispositif. C'est-à-dire coopérer, ça nécessite de boire un coup, d'être transparent, de donner envie, d'être agréable, d'être en bienveillance avec l'autre, de descendre dans la salle des machines quand il a besoin, etc. Donc, le dispositif. L'intérêt, le dispositif. Le troisième, c'est le sens. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un seul projet, il s'agit de changer le monde. Et pour changer le monde, il faut leur donner envie. Et pour donner envie, ben voilà, en fait, il se trouve que ce n'est pas si compliqué que ça pour peu que, finalement, on y mette du dispositif et du sens sur un projet qui est plus grand que nous, quoi, quelque part. Voilà, et donc ça devient la musique qui a, de fond qui a alimenté et qui continue à alimenter le programme TESS sur lequel on essaye d'embarquer les intercos et les communes sur ces questions de coopération. Merci beaucoup, Bernard. On a deux petites questions. Alors, je vous laisse peut-être choisir une que vous préférez. Le montage financier du premier projet, qu'en était-il? Et peut-être, alors après, il y a une demande, ça risque d'être un petit peu plus long, détailler la gouvernance partagée que vous évoquez. Comment ça se passe concrètement? Voilà, je vous laisse peut-être choisir une des deux. C'est assez rapide. Le premier, c'est que bien évidemment, il n'y a pas une organisation qui voulait mettre un euro dans le premier projet. Donc, on est passé sur un projet où, d'un côté, un opérateur privé finançait tout. Et nous, on s'engageait à acheter de l'énergie à un coût moins cher que ce qu'on payait avant et dans lequel se trouve le coût d'investissement de l'énergie. Voilà, c'est un modèle assez classique dans le domaine de l'énergie. Et puis la gouvernance, aujourd'hui, on s'appuie sur quelque chose qui n'existait pas il y a encore 3 ans, c'est-à-dire un bureau. On a recruté, justement, grâce un peu au subside du projet d'énergie qui nous permet de dégager un peu de fonds, on a recruté une personne à 80% ETP, et ça nous permet aussi de développer d'autres projets. Et puis les entreprises, la vingtaine d'entreprises participent activement. Hein. C'est le principe même. On ne rentre pas pour faire du business dans ce club, on rentre pour changer le monde, encore une fois. Une belle conclusion, en tout cas, voilà, dernière parole de Bernard Lemoult pour aujourd'hui. Je crois que malheureusement, vous devez nous quitter. Vous êtes pris. Merci beaucoup d'avoir été là. À très bientôt et je vous propose d'enchaîner avec le témoignage inspirant suivant, le tiers-lieu Blida, qui est un grand tiers-lieu à Metz, qui essaye de marier l'art et la technique. C'est un lieu totem de la Lorne Tech, donc en Lorraine. Frédéric Lecoing, est-ce que vous êtes parmi nous? Pouvez-vous activer votre caméra? Merci beaucoup. Vous avez rejoint cette structure il y a finalement relativement peu de temps, mars 2020, juste avant la première vague de confinement. On sera ravis d'avoir votre témoignage sur ce tiers-lieu innovant. Oui, alors j'espère que tout fonctionne, que ce soit la vidéo ou le micro. Bonjour à tous, effectivement, donc Frédéric Lecoing, moi je suis le directeur. Pardon, peut-être que... Essayez de... Non, on vous voit pas apparaître sur l'écran, pardon. On vous entend, c'est déjà bien, mais on vous voit pas apparaître. Les autres, merci bien de vouloir couper vos caméras si elles sont allumées. Bon, écoutez, tant qu'on vous entend... Alors, la vidéo ne fonctionne plus. Je suis désolé, effectivement. La vidéo ne fonctionne plus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un message... C'est pas grave, on vous entend, c'est l'essentiel. Désolé, malgré les tests. Bonjour à tous, et donc oui, effectivement, Frédéric Lecoing, moi je suis le directeur de l'association TCRM Blida qui assure l'animation, la gestion du tiers-lieu Blida à Metz. Je reviens d'ailleurs sur ce terme tiers-lieu aujourd'hui qui est mis à beaucoup de sauce, et c'est vrai que ça recouvre des réalités qui peuvent être très différentes de l'une à l'autre. Nous, on parle plutôt aujourd'hui de territoire des possibles aussi pour caractériser ce tiers-lieu. C'est un tiers-lieu, c'est un grand tiers-lieu effectivement, puisque c'est 30 000 m² qui sont situés à 10 minutes du centre-ville. 30 000 m², je vais y revenir par rapport aux activités, etc. Mais je vais peut-être revenir sur la genèse. La genèse, c'est il y a 7,
7 ou 8 ans une idée un peu folle peut-être au départ, c'est d'abord réutiliser une friche industrielle qui avait été abandonnée finalement assez récemment par le réseau des transports de la ville de Metz. Ça a d'abord été utilisé pour la dernière édition de Nuit Blanche à Metz, et puis de là est née l'idée de ce tiers-lieu, donc de l'investir non plus de manière événementielle sur une journée, une nuit, mais d'en faire un lieu utilisé, utile chaque jour en l'investissant, en permettant en tout cas initialement à des acteurs culturels, à des artistes essentiellement, de l'investir et d'y trouver des lieux, des espaces pour inventer, créer. Et progressivement, évidemment, ce lieu a évolué. C'est important de le dire, au tout démarrage, il était géré directement par la ville de Metz, donc en régie. Et puis progressivement, une association s'est émancipée finalement de la ville et a été créée pour gérer le lieu. Et avec cette émancipation-là, aussi avec cette évolution-là, c'est un lieu qui est en constante évolution, un projet qui est en constante évolution, se sont ajoutées différentes activités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Blida, c'est un espace, donc un tiers-lieu qui est la cheville ouvrière ou à l'intersection de à la fois plusieurs secteurs, on va dire, d'activité, en accueillant des startups du numérique, des porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire, des artistes, on l'a dit, des artisans, et puis aussi des entreprises et des institutions publiques en son sein. Quand je dis cheville ouvrière ou à l'intersection, c'est aussi à l'intersection de différents acteurs du territoire qui peuvent aussi être des acteurs culturels. Je pense aux bibliothèques, par exemple, aux bibliothèques et médiathèques de la ville de Metz avec qui on travaille sur les projets d'inclusion numérique. Il y a cette dimension-là de coopération, de collaboration. Et c'est même inscrit dans l'ADN de Blida, Blida avec 3 I, puisque IN pour inspiration, innovation et intelligence collective, et j'insiste sur ce dernier point parce qu'il n'est pas négligeable. C'est bien l'objet d'un tiers-lieu comme Blida, c'est de se dire tous ces acteurs que je viens de vous citer, ils peuvent avoir des choses à partager, ils peuvent avoir des regards à partager et à porter sur leurs activités respectives. Ils peuvent s'apporter des choses au-delà peut-être des premiers réflexes de méfiance, de suspicion ou des premiers replis ou des a priori qu'on peut avoir. Je pense notamment au groupe BPCE qui s'est installé à Blida. Et vous imaginez que des acteurs de la culture, des artistes, quand ils voient s'installer une banque dans ce qu'ils considèrent être leur espace, ça peut être une difficulté. Et puis finalement, il y a des choses qui se sont créées, il y a des projets qui se sont montés entre ces différents acteurs et ça apporte de la légitimité et de la confiance à chacun. Et l'objectif, c'est bien de s'enrichir mutuellement de ces regards et de ces projets. Je l'ai dit, donc effectivement, initialement, il y a un fort soutien des collectivités locales présentes sur place, que ce soit la ville de Metz, la métropole, la région, même maintenant, y compris le département. Et puis, donc ça contribue au modèle économique de l'association. Et puis, il y a une idée d'aller aussi chercher un certain nombre de partenaires privés et de ressources propres. Donc voilà, il y a aussi cette démarche-là qui est assez forte. Pour autant, j'essaye d'être inspirant, mais aussi de vous donner la réalité, c'est que c'est un projet qui a été très porté politiquement et qui, à l'occasion des dernières élections,
a été questionné, et c'est normal, il y a une réappropriation. Et donc, de tout ce que j'ai entendu là, depuis le début de cette conférence, de cet événement, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on se retrouve. Il y a une question d'acculturation, d'ailleurs des entreprises, des collectivités. Ce type de lieu, finalement, il doit être en perpétuelle réinvention. Il y a des travaux qui étaient effectivement prévus, qui auraient dû démarrer cette année. Ils sont probablement reportés, mais on voit qu'au bout d'un certain quelques mois, les nouvelles équipes politiques en particulier, elles ont compris ce qui se passait ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des évolutions, qu'il y a des nouveautés encore à apporter. Il faut repenser peut-être le projet dans certaines dimensions, mais progressivement, on voit qu'il y a une appropriation de ce qui s'est passé ici, et c'est important. Je rejoins aussi un point qui a été évoqué, c'est la question de l'impact et des externalités. Et c'est ça aussi, je pense, qui est un élément important pour convaincre de l'utilité d'un lieu comme celui-là. C'est montrer et démontrer quelles sont les créations de valeur. Alors, il peut y avoir de la création de valeur économique, ce sont des revenus, des chiffres d'affaires, pardon, de l'emploi, mais il y a aussi de la création de valeur artistique, culturelle, pédagogique. Et c'est là aussi, je crois, le rôle des tiers-lieux, c'est ce qu'on essaye de faire à Blida. Merci Frédéric Dupont. Oui, alors je vois déjà apparaître plusieurs questions. Peut-être nous pouvons en profiter pour essayer de répondre quelques-unes. Alors déjà, peut-être une question assez rapide. Les critères d'éligibilité, en quelque sorte, pour s'installer au sein de votre tiers-lieu, quels sont-ils? Et puis peut-être une question aussi sur le public. Comment vous arrivez au fait, ou est-ce que c'est votre souhait d'avoir le public le plus diversifié possible? Oui. Voilà, peut-être sur ces deux questions. Sur les critères d'éligibilité, alors déjà ça se fait de manière collégiale. On reçoit les projets qui candidatent et on essaye de juger de ce qu'ils apportent. Et en fait, on va juger leurs projets par rapport, je l'ai dit, au secteur d'activité, donc plutôt culturel, ESS ou numérique, par rapport également à la dimension de leur projet, la maturité du projet, la dimension d'innovation du projet, la capacité à s'inscrire dans l'écosystème. C'est aussi un terme important qu'on peut évoquer. Il y a un véritable écosystème à Blida, c'est ce mélange des genres et cette coopération entre les différents acteurs. Donc voilà, la faisabilité, la désirabilité, on va dire, provoquée par le projet, joue dans ces critères d'éligibilité. Je parle là pour les résidents qui bénéficient d'un espace, parce qu'à côté de ça, il y a aussi des dispositifs d'accompagnement spécifiques qui ont leur propre évidemment critères de sélection, mais surtout leur propre mode de sélection à travers des comités de sélection, des comités d'engagement, et là ça dépend des objectifs de chacun des dispositifs d'accompagnement. Sur la diversité des publics, je distinguerai deux choses. Je distinguerai d'une part le grand public, l'ouverture du lieu au grand public, et d'autre part, ce qu'on vient d'évoquer, le public qui est celui qui va venir s'installer ici, venir s'installer sur le tiers-lieu, ou qui va venir bénéficier des accompagnements. Sur le grand public, Blida, aujourd'hui, c'est un tiers-lieu qui malheureusement, et c'est l'objet justement des travaux à venir, de permettre l'ouverture de ce lieu au public. Aujourd'hui, ça n'est pas un lieu qui est ouvert en permanence au public, pour des questions de classification d'ERP en particulier. Il n'y a qu'un seul ERP sur le site, sur ce site de 30 000 m². Donc, il n'y a pas cette capacité-là à être ouvert en permanence au public, ce qui freine d'une certaine manière la notoriété et surtout l'appropriation du projet et du tiers-lieu par les habitants de Metz et plus largement. Pour autant, sur un certain nombre d'événements, on prend des mesures compensatoires qui permettent d'accueillir du public. Mais voilà, je le répète, on ne peut pas être en accueil du public 24 heures sur 24. Et sur l'accueil des publics, on va dire plus professionnels, en tout cas des porteurs de projets, il y a je pense que oui, il y a un effort à faire encore aujourd'hui, parce qu'on tourne trop souvent autour des mêmes profils.
Et là aussi, on a pas mal d'actions qui commencent à être initiées aussi dans les quartiers politiques de la ville, par exemple, pour se dire, ben, on peut être un porteur de projet, on peut être un porteur de projet dans un quartier, quoi. C'est pas incompatible, loin de là. À travers aussi la labellisation Lorraine Tech, donc French Tech, Lorraine Tech, le déploiement pardon du label French Tech Tremplin, par exemple, est aussi un moyen d'aller toucher des publics un peu différents de ceux qu'on peut toucher plus naturellement ou plus facilement. Et j'ajoute à ça aussi la question des publics étudiants. Voilà, dans ce type de lieu, je crois, enfin, ça fait partie des évolutions à venir, j'espère, que la passerelle ou le pont se fasse beaucoup plus naturellement entre les écoles, les universités, et puis Blida, un lieu qui accueille, qui est le point d'entrée finalement de l'entrepreneuriat pour le territoire. Et je rajoute une dernière petite chose, c'est Blida, c'est un pôle d'attractivité, mais c'est un élément de l'attractivité du territoire, c'est un outil de l'attractivité du territoire. Et dans tout ce que ça peut recouvrir et que vous connaissez, je pense, très largement. Très rapidement, merci beaucoup Frédéric Lecoing. Il y avait une question sur votre nature, sur votre structure juridique et les aspects financiers. Vous avez un budget d'environ 1,7 million d'euros de budget de fonctionnement, n'est-ce pas? Et puis, je ne sais pas si c'est en deux mots. Alors il y a deux choses. Il y a un propriétaire qui est une SEM, une société d'économie mixte locale, qui est le propriétaire du lieu, l'association donc moi je représente, qui est le principal locataire et qui est l'animateur du lieu, du site, voilà sur la structure. Donc c'est bien une association, voilà, ça pose des questions comme je l'ai entendu tout à l'heure par rapport par exemple à l'évolution de la réglementation au marché public. C'est une réalité aussi, voilà, il y a probablement des choses à faire évoluer de ce point de vue là. J'espère avoir répondu rapidement à ça. Et près de 70% de votre budget financé par les subventions à ce jour. Hein, oui, 65, ça dépend, oui. Ok. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous propose qu'on enchaîne sur ce dernier temps de la restitution, qui est un temps collectif, une table ronde animée par Diane de Maréchal de l'Institut CDC. Pour la recherche. Bonjour à tous. On a terminé effectivement ce séminaire avec une table ronde avec trois participants, donc trois initiatives qui seront présentées, donc trois initiatives parmi les 17 qui ont été étudiées dans le cadre de cette étude d'action. Donc d'abord des échanges et puis bien entendu on gardera du temps pour les questions-réponses à la fin. 10-15 minutes selon le temps qui nous restera. Donc, je répète merci à tous ceux qui n'interviennent pas de couper leur caméra pour qu'on puisse bien voir les personnes qui sont intervenantes. Hein. Merci beaucoup. Parmi nos intervenants, il y a Marie-Martine Poirot, qui est directrice du pôle développement territorial de Douaisy Agglo et qui représente le projet alimentaire territorial du Douaisy. Donc, ce projet alimentaire territorial, il est porté par la communauté d'agglomération du Douaisy, donc c'est dans le Nord. Dans le département du Nord, qui rassemble 35 communes. C'est un territoire urbain qui est marqué par un passé minier et industriel et qui est marqué par un fort taux de chômage et de pauvreté, avec aussi des problèmes de santé publique et notamment d'obésité, et sur lequel, en fait, l'agriculture, elle correspond qu'à 1% des emplois. Donc, il y avait effectivement le projet porté par le PAT est vraiment de lancer une nouvelle dynamique sur ce sujet-là. Ça existe depuis 12 ans. La démarche est assez ancienne, avec un objectif de développer l'agriculture et une alimentation plus saine, plus durable et plus solidaire. Et puis, cette initiative, elle s'est transformée donc, en projet alimentaire territorial Douaisy en 2016, donc pour constituer une véritable filière, développer les circuits courts, l'agriculture bio, etc. Donc, avec vraiment un fort appui politique. Donc, les premiers acteurs qui ont été
qui ont été approchés sont naturellement les agriculteurs. Donc peut-être Marie-Martine Poirot pourra nous dire, mais voilà, il y a eu un financement de la transition écologique, entre guillemets, de ces terres agricoles, mais aussi une aide à l'installation aux nouveaux agriculteurs. Les acteurs qui font partie de cette démarche, c'est aussi les 35 communes de cette communauté d'agglo. Alors ce qui est très important, puisque par rapport à leurs compétences, par exemple, ça permet d'avoir un lien avec les cantines scolaires notamment. Plusieurs associations, bien entendu, des épiceries solidaires, par exemple, et puis l'ARS, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi un enjeu donc de santé publique, de développement territorial et de dynamisme local. La deuxième initiative, c'est la Fondation de France, Nicolas. Oui, la Fondation de France, qui est aujourd'hui représentée dans le cadre de sa dynamique territoriale intitulée dans le Nord, plus précisément dans les communautés de communes Lens-Liévin et Nancarvan, mine d'idées. Donc, vous entendez le jeu de mots par rapport à ce territoire riche d'histoire. Est riche aussi d'initiatives entreprenantes que la Fondation de France justement aide du coup dans la proximité, en prenant le temps, en dédiant des ressources humaines, notamment bénévoles, à accompagner. Et donc c'est l'une des 6 déclinaisons territoriales de ce programme porté par la Fondation de France depuis 2014, en l'occurrence dans le Nord, et qui aujourd'hui sera évoqué par bénévole à la Fondation de France, Monsieur Corouge, et qui pourra effectivement donc témoigner de ce montage qui, d'une manière tout à fait fertile, si je puis dire, a donné naissance aujourd'hui à du mécénat territorial, à une fondation territoriale sur le territoire, récupérée. Gérée, pilotée désormais par un bailleur social local qui s'appelle la Fondation des Lumières. Voilà. Mais Monsieur Gilbert Corouge évoquera plus précisément du coup cette coopération de mine d'idées à l'initiative. Et notre troisième intervenant, c'est Christian Paul, qui est président du Pays Nivernais-Morvan, c'est pas facile à dire, et qui représente l'initiative Village du Futur. Alors, c'est dans le Morvan, donc dans la Nièvre, dans la région de Bourgogne-Franche-Comté, dans un territoire rural, donc un territoire rural qui voit une perte de population importante, avec un taux de chômage aussi qui est relativement important. On est dans un territoire en désindustrialisation, avec une forte désertification des services publics, administratifs, postes, écoles, etc., et une population vieillissante. Donc pour faire face à cela, depuis 2015, 14 villages se sont associés justement relever un certain nombre de défis, et notamment pour développer l'attractivité du territoire, la connexion du territoire au monde, au reste du monde, on va dire, la solidarité et aussi reconquérir les centres-bourgs. Alors cette dynamique, elle est assez ancienne, elle remonte aux années 80 et elle a été notamment portée au départ par la commune de Luzy. Et puis il y a eu un événement fondateur aussi, la fermeture d'une maternité qui a permis aux gens de vraiment se rendre solidaires pour défendre leur territoire. Et puis c'est le PETR, donc le pôle d'équilibre territorial et rural, qui se saisit du sujet. Et là sont lancés une quinzaine de chantiers qui vont du développement de la fibre optique au développement de la culture, donc d'événements culturels, l'accueil de nouveaux habitants, l'accessibilité au territoire, mais aussi à l'immobilier. On parlait de tiers-lieux tout à l'heure. Par exemple, il y a un Fab Lab qui s'est créé. Donc, il y a un réseau de Fab Lab qui s'appelle ICI. Il y en a un à Montreuil, à Marseille. Il y en a aussi un dans le Morvan. Et puis, d'autres projets sur une maison de retraite du futur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont développé une méthodologie qui est une étude de design de service, c'est-à-dire comment le territoire peut s'emparer de ces sujets-là avec une méthodologie bien particulière pour répondre aux besoins des territoires. Voilà, donc merci à vous trois de bien vouloir vous connecter et d'activer vos micros.
Alors, on va parler de montage de la coopération. Donc, comment est-ce que cette coopération, elle s'est montée? Donc, comment cette idée a germé? Pourquoi? Donc, on a trois initiatives, deux qui sont portées par des collectivités et puis une troisième qui est portée par un acteur privé, donc la Fondation de France. Voilà, pourquoi c'est une collectivité qui a été à l'origine de cette coopération pour notre projet alimentaire du Douaisy et les villages du futur? Alors, on voit qu'à Douai, Madame Poirot, on a l'impression que c'est un peu un problème insoluble qui était, insoluble, en tout cas compliqué à gérer, qui avait été posé, et que, voilà, que c'est la collectivité qui s'est emparée de cette thématique. Voilà. Tout a démarré, c'est vraiment la volonté politique, la volonté de l'agglomération du Douaisis qui est à l'origine de toute la démarche. Il y a une douzaine d'années, puisque tout est parti d'un constat qui était que jusqu'ici, en tant qu'interco, nous n'avions que très peu de relations avec le monde agricole. Pour être clair, les seules relations que nous avions avec eux, c'était à travers les parcs d'activités qu'on construisait. Et nous venions de terminer d'utiliser toutes les friches du territoire, puisqu'il y avait eu une volonté politique très forte d'utiliser prioritairement des friches du territoire et se poser la question de commencer à regarder les terres agricoles pour positionner de nouveaux parcs d'activités. Et à cette occasion, nous avons réalisé une étude, enfin demandé à la Chambre d'agriculture de réaliser une étude pour nous. Et nous avons constaté plusieurs choses. La première, c'était que l'agglomération se trouvait dans une situation où il y avait de moins en moins d'agriculteurs, où on perdait des terres agricoles. Et puis surtout, nous sommes en plein cœur du bassin minier. Et il y a toujours eu historiquement un lien très fort entre les agriculteurs et les habitants, et que ce lien petit à petit avait disparu. Donc il y a eu vraiment une volonté de travailler sur cet axe-là qui nous semblait un axe très important pour le territoire. Je dis nous parce que j'étais déjà là à l'époque, donc ça c'était il y a une douzaine d'années. Et de cette volonté politique, nous avons eu une opportunité puisque les élus communautaires ont interpellé différentes structures, la département et la région. Et la région a soutenu cette démarche. Est-ce que vous m'entendez? J'entends un écho. Ça va? On vous entend très bien. D'accord. Bon, excusez-moi. Et par contre, effectivement, nous avons eu cette opportunité d'être soutenus par la région et le département dans nos ambitions. Ils ont accepté qu'on soit un petit peu précurseur et immédiatement les élus ont eu cette posture de dire on ne va pas faire à la place mais on va faire avec l'ensemble des participants du territoire, tous les intervenants du territoire. Donc déjà il y a 12 ans, l'objectif ça a été d'identifier tout ce qui se faisait déjà sur le territoire et que le territoire se positionne plus comme une structure susceptible à la fois de permettre aux différents partenaires à la fois de se connaître, de travailler ensemble et de faire ensemble, sachant que tout l'équilibre qui devait être recherché, c'était à la fois d'être une structure financeur, mais aussi de laisser toute la place aux initiatives du territoire. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a énormément travaillé, puisqu'on est parti, du principe, et ça s'est révélé rapidement vrai, que tous ces partenaires, pour les aider et pour les pousser un petit peu à travailler tous ensemble, il était important d'y mettre un vrai budget. Donc là-dessus, les élus ont accepté assez vite de positionner un budget à cette démarche. Mais à côté de ça, la posture de l'agglo n'était de premièrement, de ne pas vouloir tout faire, tout seul, mais plutôt d'avoir vraiment une démarche de mise en musique et d'incitation des partenaires. Et là-dessus, dans ce qu'évoquait Odile précédemment, un des partis pris qui a été pris aussi immédiatement, c'était de se dire on va partir sur du bénévolat, l'envie des structures de travailler avec nous. Donc progressivement, on a interpellé un petit peu tout le monde en leur disant « Est-ce que ça vous intéresse d'intégrer un groupe de réflexion
où on va essayer d'imaginer cette future politique. Et puis surtout, on s'est donné le temps, parce qu'un des points qui nous paraissait absolument fondamental, c'était que tous ces partenaires, il fallait dans un premier temps qu'ils identifient l'intérêt qu'ils pouvaient avoir d'intégrer la dynamique, et puis aussi leur laisser jouer vraiment sur la volonté de travailler avec nous, la volonté de s'associer. Et c'est vrai que l'Interco s'est mis dans une posture d'animateur, c'est-à-dire qu'on organisait des réunions, mais on essayait de ne pas prendre trop la main. On s'est fait accompagner par des bureaux d'études justement pour permettre que notre rôle justement ne soit pas perçu immédiatement comme quelqu'un qui est là pour donner des ordres, pour dire ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et puis laisser de la souplesse. Et si je peux encore continuer 30 secondes, on verra les... Allez-y, allez-y. En tout cas, l'enjeu aujourd'hui pour nous, il est que, bon, on a réussi à créer un consortium de structures, et c'est vraiment aussi dans les points très très importants de travailler sur la durée. C'est-à-dire que, bon, a été évoqué des notions comme, j'ai noté les notions de plaisir, le fait de donner envie. Tout notre travail aujourd'hui au niveau de l'Interco, il est là. Il est de faire en sorte que toutes ces structures, elles aient envie de continuer à travailler, à rester dans ce mouvement, à rester dans cette dynamique et à proposer un maximum d'actions. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, tous les ans, on lance des appels à initiatives où toutes les structures peuvent proposer des actions, mais on met en place au niveau de la gouvernance un comité où c'est entre elles qu'elles choisissent les actions qui seront menées. Même si on est structure de financement, on écoute les décisions des structures qui font elles-mêmes le programme tous les ans du territoire. Je vais en rester là. Merci beaucoup. Alors, à Village du Futur, c'est un petit peu différent puisque là, effectivement, ce sont aussi des collectivités locales, mais on a le sentiment que dès le départ, c'est un peu un sujet qui a été pris à bras-le-corps par plusieurs élus déjà, hein, plusieurs élus de plusieurs villages et même par la population. Oui, Monsieur Paul. D'abord à toutes et à tous. Et merci pour votre invitation. Et j'ai trouvé dans la première partie de la restitution vraiment beaucoup de thèmes et de préconisations qui rejoignent aussi ce que nous avons tenté de faire depuis quelques années. Alors, effectivement, Village du Futur, c'est un programme qui naît dans la ruralité. À un moment où nous en avions ras-le-bol avec beaucoup d'élus, beaucoup d'habitants, beaucoup d'acteurs locaux, de subir le déclin du cœur des bourgs sans trouver la parade. Le cœur du bourg, c'était souvent cette partie du village dévitalisée, avec des boutiques fermées, avec des rues mortes, au moins en apparence. Et donc, c'était au départ vraiment la volonté de prendre à bras-le-corps cette question-là. Ça, c'était il y a maintenant 5 ou 6 ans. Et donc, nous avons invité, avec l'équipe du Pays Nivernais-Morvan, qui est un territoire qui est en gros la moitié est de la Nièvre, donc extrêmement rural, vous l'avez rappelé, même si votre description au départ était sans doute un peu plus noire que la réalité, heureusement. Un peu caricatural, oui. Oui, c'était un peu... Voilà, un peu à charge, voilà. Donc, mais au fond, si ces clichés circulent, c'est probablement parce que très longtemps, le monde rural a subi, et sans trouver la parade justement, et en ayant l'impression de faire de la maintenance de territoire, de poser des rustines, mais sans qu'il y ait véritablement une possibilité de renaissance. Donc Village du Futur, c'est bien dans cet esprit de renaissance que nous avons travaillé, avec une conviction qui était que sans la population, les élus ne pouvaient pas grand-chose. Et donc le point de départ, ça a vraiment été de faire en sorte que ce soit les habitants d'un village, une communauté villageoise, qui travaillent pendant presque 1 an, 6 mois, mais plutôt 1 année complète, pour inventer l'avenir de leur village. Et pour se donner une destination commune, avec des étapes, évidemment,
c'est, je crois, Odile Kirchner tout à l'heure, ou un des intervenants inspirants qui disait les premiers projets sont importants. Donc, il est très important dans ces démarches collectives que viennent très vite les premiers projets collectifs, des réalisations, même si elles n'ont pas une ambition de transformation profonde. Et c'est ce qui donne ensuite la confiance dans le processus et l'envie d'aller plus loin. Donc, Village du futur, quand on a terminé cette année de conception, d'incubation collective, nous avons dans ces villages, 14 aujourd'hui, une demi-douzaine qui s'apprête à rejoindre, nous avons une sorte de feuille de route, un plan guide pour les 10 ans qui viennent, avec des nouveaux services, des actions collectives de court terme, d'autres plus en profondeur, plus durables, et puis aussi des investissements communaux ou intercommunaux qui vont là davantage structurer vraiment l'offre de commerce, l'offre immobilière ou l'offre de services publics de la commune. Voilà le point de départ. Alors, ça marche comment ? Ça marche si nous arrivons à mettre en mouvement ce que nous appelons volontiers le triangle magique, c'est-à-dire les habitants, les élus et des experts. Alors, les habitants et les élus sont aussi des experts citoyens, mais nous embarquons aussi dans cette aventure des équipes dans lesquelles on va trouver des architectes, des designers de services, des développeurs, des gens du numérique, des animateurs aussi de participation citoyenne, parce que tous les élus ne sont pas des génies de la démocratie participative, et il faut aussi qu'il y ait des professionnels, à condition qu'ils trouvent leur rôle et qu'ils n'étouffent pas l'expression des habitants des villages. Donc c'est ce triangle magique qui permet à la fois de produire et de concevoir la vision de l'avenir du village et ensuite de mettre en mouvement les premières actions. Alors, nous en sommes là donc dans ces 14 villages. Évidemment, tous n'ont pas avancé, ce serait pas honnête de le dire, tous n'ont pas avancé à la même vitesse, mais tous ont contracté quand même, je pense, je n'ose pas dire un virus en ce moment, mais en tout cas, l'appétit véritablement de transformation. Au départ, c'était la revitalisation des cœurs de bourg. Ça, c'était la saison 1 des Villages du futur, donc 2015-2020. Nous entrons maintenant en 2021, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, dans la saison 2, où on va encore parler, évidemment, de participation citoyenne, parce que c'est vraiment le carburant sans lequel rien ne se fait. Et nous allons aussi beaucoup parler des transitions, de la transition écologique, évidemment, mais au-delà, Village du futur, c'est sans doute, je le dis avec peut-être un peu d'emphase, mais c'est vraiment la transition dans tous les domaines. La transition démocratique, je l'ai dit, la transition écologique, nous lançons un programme d'alimentation territoriale, les défis de la transition dans les villages qui sont volontaires, donc où on va parler de mobilité, de gestion de l'eau, d'énergie. Nous avons 6 comités locaux territoire zéro chômeur qui sont en préparation. Et si nous arrivons aujourd'hui à travailler sur les transitions, c'est probablement parce que un programme comme Village du futur et d'autres initiatives qui étaient plus anciennes ont donné envie véritablement de penser transformation et pas simplement maintenance territoriale. Donc nous sommes bien vraiment dans des logiques de transition numérique, sociale, démographique bien sûr. Ça en fait partie. Nous avons un programme qui s'appelle Les Pattes du Futur, où nous tentons aussi de travailler à l'ouverture des maisons de retraite sur leur territoire. Alors, bien sûr, dans la période immédiate, ça paraît un peu décalé, mais au fond, Les Pattes du Futur, c'est aussi une composante de Village du Futur dans des territoires où la transition démographique, elle est faite de beaucoup de nouveaux arrivants, mais aussi d'un vieillissement de la population qu'il faut collectivement prendre en charge. Nous avons évidemment une méthodologie un peu plus travaillée que ce que je peux dire là en quelques minutes. Vous retrouverez, grâce au lien que j'ai fait figurer dans la conversation, le site du Pays Nivernais-Morvan, et vous retrouverez là les éléments de méthodologie, de chronologie, d'ingénierie aussi, qui est proposé donc à ces 14 villages qui s'en sont saisis
Alors certains avec énormément d'entrain et des résultats très visibles dès maintenant, pour d'autres, évidemment, parfois avec moins de vivacité, mais encore une fois, la totalité d'entre eux peuvent mesurer vraiment la différence entre avant et après. Merci beaucoup. Monsieur Courrouche, pour mine d'idée, là, c'est un acteur privé qui se saisit de cette question de la coopération. Donc, pourquoi la Fondation de France, qui a aussi des attaches territoriales, mais qui n'est pas forcément un acteur du territoire en lui-même, s'intéresse à ces sujets et pourquoi voilà. Comment vous avez fait pour lancer ces appels à idées et ensuite comment ça se voilà, quel est votre objectif pour que ça devienne un projet de territoire, une coopération territoriale, ces appels à idées? Faut mettre votre micro, monsieur Courrouche. On vous entend pas. Bonjour à tous. Merci beaucoup, on vous entend très bien. Une partie de la réponse se trouve dans l'introduction qui a été faite tout à l'heure, puisque la Caisse des dépôts a été l'un de nos tout premiers partenaires, la Caisse des dépôts de Lille, lorsque nous avons lancé Mine d'idées. Mine d'idées est née d'un constat que la Fondation de France a fait en 2012-2013. Certains territoires sur la France ne déposaient que peu de demandes d'aide auprès de la Fondation de France, répondaient très peu aux appels à projets traditionnels. Alors que, de toute évidence, certains de ces territoires connaissaient des difficultés auxquelles ces fonds privés, que sont les dons qui sont faits à la Fondation de France, étaient susceptibles d'apporter une aide. De là est né un programme qu'on a considéré comme expérimental, qui maintenant a évolué et développé sur plusieurs territoires sur la France métropolitaine, qu'on a appelé dynamique territoriale, ce qui en soi-même indique bien que nous souhaitions prendre appui sur un certain nombre de nouveautés, d'innovations au niveau des territoires eux-mêmes. Nous avons donc lancé à ce moment-là un appel à projets et à idées. Le but était que des habitants du territoire, des petites structures, puissent, on a parlé de culture entrepreneuriale tout à l'heure, puissent être entreprenantes quelque part, alors qu'elles n'avaient pas nécessairement la possibilité de le faire. Cet appel à projets et à idées s'est décliné différemment selon qu'on nous proposait des projets ou des idées. Lorsqu'on nous proposait des projets, nous avons procéder un peu comme nous le faisons habituellement, avec une étude de dossier déposé par le demandeur. Mais nous nous sommes aussi appuyés sur des idées qui, elles, émanaient directement d'habitants, de projets aussi d'ailleurs, qui parfois émanaient d'habitants, et que nous avons proposé non seulement d'aider financièrement, mais d'accompagner. L'une des nouveautés était aussi que ces idées et ces projets n'avaient pas nécessairement d'attachement à une thématique particulière, ce qui permettait d'entrer, de sortir de nos appels à projets traditionnels, sans pour autant les négliger, puisque forcément, à un moment ou à un autre, on se raccroche à un ou plusieurs thèmes. Et tout ça sur un territoire, vous l'avez dit tout à l'heure, le territoire d'une partie du bassin minier Pas-de-Calais, regroupant deux communautés d'agglomération. Nous avons donc cherché sur ces territoires comment nous pouvions procéder pour faire émerger, susciter et faire exprimer, pour les accompagner, des initiatives citoyennes. On a évoqué tout à l'heure la manière dont nous pouvons travailler avec différents acteurs. Parmi ces acteurs, les acteurs du territoire avec lesquels nous avons d'abord cherché à travailler, ce sont les citoyens eux-mêmes. Nous avons au total pu, en 5 ans de 2015 à 2020, recevoir 168 projets et 57 idées. Ça n'était pas tout à fait suffisant par rapport à ce que nous imaginions au départ, puisque c'était les idées que nous souhaitions d'abord accompagner, d'abord faire émerger. Mais les projets qui nous ont été soumis, parfois, n'étaient pas non plus encore susceptibles de pouvoir être viables. Et il a donc été nécessaire d'en accompagner un certain nombre aussi. 74 de ces projets ont été accompagnés financièrement. 60 porteurs de projets pour 74 projets. Ce qui veut dire qu'il était possible que nous accompagnions, par exemple, une idée qui nous était proposée
et un projet à côté. Pour assurer cette dynamique collective, nous avons organisé des rencontres régulières entre porteurs d'idées et porteurs de projets. Sur les 5 années de 2015 à 2020, ce sont 14 rencontres qui ont été imaginées, qui ont été animées. Nous sommes demandés, parce que nous n'arrivions pas forcément à faire émerger les idées autant que nous le souhaitions, quelle stratégie élaborer pour que nous puissions avoir l'émergence d'un maximum de ces idées. Et nous avons retenu trois idées fortes, trois axes stratégiques forts. D'abord, la nécessité de proximité. Si nous voulons sur un territoire que des individus, des personnes, des petites associations, des gens qui se côtoient dans le quartier, puissent exprimer une idée que nous puissions ensuite accompagner avec notre équipe de bénévoles ou avec des partenaires extérieurs, il est nécessaire que ce soit au plus proche, au plus près de chez eux. La réactivité. Les appels à projets traditionnels amènent parfois à un certain délai de réponse qui n'est pas cohérent avec ce qu'attendent des porteurs d'idées directement du territoire, avec des personnes du territoire. Et le troisième axe que nous avons retenu, c'est la traçabilité. C'est-à-dire qu'il est important que nous puissions, autant pour le porteur de projet, le porteur d'idées lui-même, que pour les autres porteurs d'idées, les autres porteurs de projets, ou pour faire savoir ce que nous pouvons offrir sur le territoire, que nous puissions avoir la trace de ce qui se fait et que nous puissions le communiquer. Parmi les choses qu'on a entendues depuis tout à l'heure, il y en a certaines qui m'ont semblé assez essentielles par rapport à l'expérience que nous avons avec MindIdée. La notion d'implication des habitants, évidemment, puisqu'elle est au cœur de ce que nous avons voulu faire sur ce territoire et de ce que la Fondation de France veut faire sur l'ensemble des territoires qui sont maintenant concernés par l'expérimentation. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, je cite rapidement, on a Vendange d'idées en Haute-Gironde, on a Pétillantes initiatives pour le Saumurois, les Vallées d'Anjou, on a la mécanique des idées à Mulhouse, on a Tissage d'initiatives pour le Nord-Isère. C'est une entrée qui est commune à ces différents territoires sur lesquels a lieu cette expérimentation. Et ça reste un point essentiel, comment faire naître, ou plutôt comment faire apparaître ces idées dont des habitants sont porteurs et ces projets dont des habitants sont porteurs. Je crois que de manière générale, sur l'ensemble des territoires sur lesquels l'expérimentation se conduit, tout a été essayé. Et il n'y a pas une réponse, c'est la multitude des réponses et l'adaptation aux réalités de chacun des territoires qui permet d'apporter une réponse à la question. L'autre question qui se pose, c'est celle des rapports avec les autres acteurs du territoire. Force est de constater que si on a entrepris cette expérimentation sur le territoire de MindIdée, c'est à un moment, en 2014, où existait peu d'initiatives sur le territoire visant à faire émerger les projets d'habitants, à les accompagner, y compris à les financer spécifiquement sur le territoire. Nous avons été amenés, au cours du développement de l'expérimentation, à développer des partenariats, à travailler avec d'autres acteurs du territoire. Je pense par exemple à Euralens, hein, association née sur le territoire de Lens-Liévin lorsque l'Ouvre-Lens a été construit sur ce territoire. Nous avons travaillé avec Euralens, qui de son côté, visant les mêmes objectifs, a contribué largement à développer ce type d'initiatives citoyennes, d'associations plus ou moins importantes en lien avec les collectivités locales. Je pense à ce qui a été mis en place avec le département du Pas-de-Calais, hein, puisque nous sommes devenus, avec MindIdée, partenaires du département du Pas-de-Calais, qui a mis en place aussi un budget citoyen avec un appel à initiatives citoyennes, où nous avons, avec le comité départemental de l'éducation sanitaire et sociale, participé également au travail qui a été fait sur les projets, partagé parfois des instructions. Hein. Voilà. Donc ce travail partenarial est particulièrement important. J'ai envie de dire,
en conclusion que par rapport à cette question des dynamiques territoriales, il reste beaucoup à inventer, il reste beaucoup à faire. En tant que financeur, la Fondation de France se positionne bien sûr différemment de ce qu'ont pu exprimer des porteurs de projets qui, eux, sont initiateurs de projets sur le territoire, mais que c'est sans doute par ce type d'initiative et par les convergences qu'on peut faire entre les financements que la Fondation de France peut apporter et les autres partenaires du territoire, qu'on pourra effectivement donner corps à cette notion de dynamique de territoire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il reste un petit peu de temps pour les questions, mais je voulais quand même qu'on aborde la question de la gouvernance du projet. Donc pour les collectivités locales, c'est un sujet important, notamment parce que le projet, il doit aussi traverser les agendas politiques. Alors on voit qu'à Douai, Madame Poirot, il y a le projet alimentaire territorial du Douaisy qui a peut-être permis aussi de donner une structuration au projet et puis d'embarquer des nouveaux acteurs. Est-ce que vous pensez que, alors on en a parlé aussi tout à l'heure, hein, Odile Kirchner l'a évoqué, est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de continuer de faire vivre la coopération, ou alors est-ce qu'au contraire ça ferme? On parlait des habitants là juste avant avec Monsieur Corouge et avec Monsieur Paul. Est-ce que cette structuration avec le projet alimentaire territorial, ça permet d'embarquer la totalité des acteurs et notamment les habitants? En fait, je voulais rebondir par rapport à ce que vient de dire Gilbert, dans la mesure où on a vraiment aussi ce type de questionnement, à savoir comment toucher un maximum et notamment toucher l'ensemble des habitants. Et le choix qui a été fait, c'est que ce n'est pas nécessairement les techniques de gouvernance mises en place qui apportent des réponses, mais surtout la démultiplication des actions. C'est-à-dire qu'on est parti sur le principe qu'il fallait absolument que cette concertation, elle soit permanente. Donc, ça fait 10 ans qu'on est en concertation en permanence et qu'on essaye d'utiliser tous les outils qu'on rencontre au niveau concertation. C'est-à-dire que, au niveau de mon équipe, donc moi, pour travailler sur ce projet alimentaire territorial, j'ai une équipe de 7 personnes qui travaillent avec moi. Déjà, toutes ont été formées, je dis toutes parce qu'en fait, au final, il n'y a que des femmes. Toutes sont formées aux techniques du dialogue territorial. Et puis, par rapport à ça, on essaye systématiquement de démultiplier les techniques de concertation. C'est-à-dire que ça peut être des forums ouverts, on organise des structures style des semaines de l'alimentation qui ouvrent le dialogue, on travaille aussi bien à l'échelle communale, à l'échelle interco, par les associations. En tout cas, on a décidé non pas de se positionner sur une façon de procéder, mais plutôt d'avoir une démarche très ouverte, dans la mesure où on essaye de rebondir. Dès qu'on entend parler d'une technique d'animation qui nous semble pertinente, eh bien on se dit « on va la tester ». Et on a la même démarche au niveau des actions. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on lance des appels à initiatives, donc on lance 3 appels à initiatives par an, un sur l'agriculture, un sur l'alimentation et le plan bio, parce qu'il y a eu une très forte volonté politique de vraiment travailler sur le bio, sur le territoire. Donc là, ce sont les structures qui nous proposent des actions, et ces structures, on les laisse vraiment très libres dans leurs actions, dans la mesure où on leur dit: vous avez le droit d'innover et vous avez le droit d'échouer, de vous planter. Vous avez le droit de mener des actions qui ne fonctionnent pas. Donc, on a vu certains organismes qui nous ont proposé des actions. Et puis, au bout de 3-4 réunions, on se rendait compte que ça ne prenait pas. Et bien, tant pis, on faisait marche arrière et on ne les pénalisait pas financièrement, puisque l'objectif, justement, c'est de permettre à toutes ces structures associatives à la fois d'oser innover ou d'oser se positionner sur le territoire, même si aujourd'hui tout n'est pas complètement bouclé au niveau des partenaires. Donc voilà, au-delà de la gouvernance, c'était 2 points qui me semblaient très importants. Au niveau de la gouvernance, effectivement,
on a une réflexion, parce qu'aujourd'hui, on est sur un mouvement qui entraîne plus d'une centaine de partenaires, mais où notre objectif aussi, ça a été de faire en sorte que tous les agriculteurs du territoire puissent être présents dans la démarche. Donc, on a monté des actions, effectivement, sur les circuits courts dans un premier temps, parce que c'est la solution facilitée pour démarrer, mais progressivement, des actions, on travaille de plus en plus sur l'amélioration des pratiques. Et par rapport à ça, on arrive aujourd'hui à toucher l'ensemble des agriculteurs du territoire. De la même façon, au niveau des habitants, on met en place plein de techniques d'animation pour essayer de toucher au maximum les habitants, que ce soit via des structures associatives, comme directement des habitants lambda. Donc, notre idée au niveau de cette gouvernance, elle n'est peut-être pas complètement structurée, mais c'est surtout de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que tout le monde puisse s'exprimer en étant au même niveau et qu'il n'y ait pas des sachants, mettre en place au niveau des techniques d'animation, d'ouvrir la possibilité à ce que tous s'expriment et s'expriment sans que la parole soit prise par ceux qui ont peut-être plus d'informations. Par exemple, pour pouvoir permettre aux habitants de s'exprimer, on a beaucoup travaillé sur des techniques de gestuelle, des techniques de dessin, etc., pour leur permettre d'être autant entendus que les élus, que les structures, que les professionnels, etc. Donc, au-delà d'une gouvernance vraiment structurée, on est plutôt dans cette approche de travailler la concertation. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Paul, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la gouvernance de Village du Futur? Est-ce que c'est le PETR qui porte cette gouvernance? Est-ce que c'est les élus? Est-ce que vous, voilà, comment vous voyez ça aussi dans le futur, hein, pour pouvoir continuer à animer cette dynamique? Village du Futur, ça se joue essentiellement à l'échelle communale. C'est même, d'une certaine façon, une réhabilitation de l'action communale. Après des années, des décennies peut-être, où nous avons tous vu naître, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, des intercommunalités, des communautés de communes, des pays, des PETR, bien souvent l'idée s'était imposée que les communes n'avaient plus grand-chose à dire et pas beaucoup à faire. Et donc, Village du Futur, c'est vraiment le droit au village et la réhabilitation de l'action communale. Donc, ça se joue beaucoup, au départ au moins, à l'initiative d'une équipe municipale, d'un maire, qui a cette fonction d'impulsion. Évidemment, si tout repose sur le maire, son charisme, sa vision, au fond, ça peut être extrêmement fragile. On a beaucoup de méfiance sur les approches très managériales de certains élus qui considèrent qu'avec un bon tableau Excel, on peut conduire la commune à bon port. Pas du tout notre approche. Donc, c'est une approche qui, au départ, est voulue par une équipe municipale, mais qui, très vite, doit être portée par une part importante, une majorité, c'est bien, des habitants d'une commune, qui viennent dans des ateliers participatifs, qui participent à des opérations collectives. On cite par exemple des opérations de signalétique éphémère qui ont permis dans certaines communes ou sur certaines places de mettre au travail ensemble les habitants du village. Et puis, il y a, comme vous le disiez avant moi, beaucoup de façons de faire. À l'USI dont on a parlé, c'était la fontaine aux idées. Ailleurs, chez moi à l'Orme, c'est l'intervention de troupes de comédiens qui ont permis aussi une prise de parole très active des citoyens. Et donc, la gouvernance vient ensuite dans la façon dont, à partir de cette phase de production d'idées et de propositions, on parvient à formuler la feuille de route et à rendre compte régulièrement et à renouveler les formes de la participation citoyenne. Donc notre marque de fabrique, et ce qui est intéressant dans cette aventure, plus qu'une gouvernance institutionnelle, c'est vraiment le partage des rôles entre élus, citoyens, agents communaux et experts extérieurs peut changer aussi au fil du temps et en donnant quand même avant tout la priorité à la parole citoyenne. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Monsieur Corouge, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de la fondation territoriale qui a été créée? Bien sûr.
Auparavant, quelques mots pour revenir sur ce que vient de dire M. Paul sur la gouvernance. Oui, bien Je sûr. Crois qu'effectivement, il a dit des choses qui sont essentielles. La gouvernance sur des entreprises qui visent à ce que les habitants eux-mêmes, à ce que le territoire s'exprime par sa base, est gourmande en temps, gourmande en énergie et n'entre pas forcément dans les canons habituels de l'organisation, de la concertation, de ce qu'on met en dessous du mot participation des habitants, etc. Alors, en ce qui concerne la fondation territoriale, effectivement, on a parlé à plusieurs reprises cet après-midi de la durée, on a parlé de l'expérience dans la durée, on a parlé de la pérennité des expériences. Lorsqu'on lance une expérimentation comme Mine d'idées ou comme celle qui est lancée sur les autres territoires sur lesquels a lieu cette expérimentation dynamique territoriale, la question se pose dès le début de savoir comment on va faire, puisqu'on se dit on va expérimenter. On va expérimenter 2 ans, on va expérimenter, puis ça passe à 3, puis ça passe à 5. Différentes pistes ont été évoquées au niveau national. Les autres expériences ne sont pas encore pour la plupart terminées. Mine d'idées était une des premières expériences dès 2015-2014, lancement en avril 2014. Donc on s'est posé la question dès le départ. Et puis, la règle, je crois, c'est d'abord de se dire qu'il faut saisir toutes les opportunités pour que, effectivement, on ne dise pas au bout d'un certain temps, on a conduit quelque chose qui était intéressant, maintenant débrouillez-vous. Je crois qu'il faut d'une part avoir construit quelque chose au niveau des relations entre les participants au projet lui-même, qui fasse qu'eux-mêmes soient en mesure de poursuivre quelque chose quelque part. C'est ce qui s'est fait avec Mine d'idées, avec quelques porteurs de projets qui ont noué des liens et qui maintenant poursuivent un bout de chemin ensemble. Et puis, nous avons, nous, au niveau de Mine d'idées, rapidement, au bout de 2 ou 3 ans, imaginer qu'il y avait la possibilité de créer une fondation territoriale. Donc bien fondation territoriale, on a dit tout à l'heure fondation des Lumières, elle tient à s'appeler fondation territoriale des Lumières, pour marquer justement cet ancrage au territoire, qui prend appui directement, statutairement, qui est sous égide de la Fondation de France, qui prend appui directement sur les expériences de Mine d'idées, à partir d'un bailleur social qui avait participé à l'expérience Mine d'idées à nos côtés, qui s'y est impliqué dans le temps et qui finalement a pu embarquer dans son propre projet une dizaine d'entreprises, dont 3 bailleurs sociaux, des entreprises du domaine de la santé, entreprises du domaine des travaux publics, pour créer cette fondation territoriale des Lumières qui reprend l'idée qui était la nôtre. Alors, l'objectif est que ce soit sur l'ensemble des Hauts-de-France. Pour le moment, c'est un peu sur le bassin minier Pas-de-Calais, un peu sur le bassin minier du Nord. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à ce que la Fondation territoriale, avec la Fondation territoriale des Lumières, nous rencontrions aussi Martine Poirot dans le cadre du projet territorial du Douaisis, projet agricole territorial du Douaisis. Pour être complet, l'idée est aussi de faire en sorte qu'au niveau de la Fondation de France, on voit dans quelle mesure il est possible de prendre appui ici ou là sur des expériences de ce type. Et il y a par exemple déjà sur la Fondation de France Nord, une fondation territoriale dans le même esprit qui devrait être créée d'ici peu de temps sur la Côte d'Opale, dans la région de Boulogne. Et puis, depuis déjà 1 ou 2 ans, des échanges sont en cours, notamment avec l'État, sur le département de l'Aisne, qui est un département rural et qui a aussi des besoins importants, alors à profil tout à fait différent, bien sûr, de celui du bassin minier, mais pour que, dans le même esprit, il y ait également possibilité de créer quelque chose sur ce territoire. Merci beaucoup. Merci à tous. On a certainement quelques questions-réponses à vous poser. Puis je vois que Odile Kirchner a demandé aussi effectivement, la parole. Qui a demandé à compléter certainement certains éléments ou réagir. Odile, la parole est à toi. Merci beaucoup. Effectivement, témoignage très riche et qui montre tout l'intérêt de toutes les luttes qu'on a pu conduire. Je voulais pouvoir revenir sur 2 sujets. Premièrement, les modèles économiques. On n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais il y a eu des questions là-dessus dans le chat. Donc, c'est clair que toutes ces dynamiques de transition ne peuvent fonctionner qu'avec des subventions. Donc ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Des subventions publiques et des subventions privées. Et là, je voudrais vraiment insister sur le rôle croissant des fondations qui s'intéressent de plus en plus. Il y a la Fondation de France qui est extrêmement présente, mais il y a d'autres fondations et c'est absolument indispensable. Mais, et sur message sur les subventions,
de plus en plus, il y a un fort intérêt à ce que les subventions puissent fonctionner par triennale. Le temps passé de tous ces acteurs à remplir des dossiers d'appel à projet, c'est absolument considérable. Et donc, plus on est dans une relation de subvention dans la durée, au moins sur 3 ans, plus finalement on peut développer un travail de fond. Donc, un petit message à passer à tous les financeurs, essayez d'utiliser le plus possible un mode de subvention triennale avec évidemment des points d'évaluation chaque année. Mais autre message sur le modèle économique, toutes ces dynamiques cherchent elles-mêmes à se doter de ressources propres parce qu'elles sont bien conscientes des risques qui sont liés à la diminution des subventions. Donc, elles recherchent à développer des ressources propres par les offres de services et les prestations qu'elles développent et qui sont évidemment monétarisées, mais elles recherchent aussi à valoriser financièrement les prestations qu'elles développent sur un territoire. Et ça, c'est finalement de la reconnaissance de la valeur ajoutée sociale qu'elle crée. Je prends un exemple. Par exemple, la SIC, le tiers-lieu La Palanquée, hein, qui se forme de SIC, on a créé un incubateur de projets sur la transition écologique et l'innovation sociale. Bon, on reçoit des subventions de l'agglo, mais moi, je leur dis, je préfère que vous me payiez une prestation, parce que la création de cet incubateur, c'est quelque chose de nouveau sur le territoire qui n'existait pas. Donc, de plus en plus, il faut passer d'une logique de subvention à une logique de rémunération d'une prestation créée sur un territoire, et c'est finalement reconnaître l'apport de ces dynamiques de transition sur le bien commun. Si on prend l'exemple du projet alimentaire territorial, le mieux manger, une alimentation durable, non polluante, qui est beaucoup moins dangereuse pour la santé, est évidemment un apport fort sur un bien commun sur un territoire. Donc, passez, reconnaissez ça par une forme de prestation. Deuxième sujet sur lequel je voulais peut-être conclure un peu ces interventions et cet après-midi, c'est finalement, on n'a pas beaucoup parlé de ce que ces dynamiques collectives apportent aux pouvoirs publics locaux. On a parlé du rôle des pouvoirs publics locaux pour les soutenir, mais je crois qu'il faut mettre en lumière tout ce qu'elles apportent au territoire et aux pouvoirs publics locaux. Et l'étude insiste là-dessus. Je le résume avec quelques mots. Elles apportent souvent de l'ingénierie de projets collectifs. C'est comme ça que certains se désignaient. Nous sommes un bureau d'ingénierie de projets collectifs. Et ça, c'est mettre effectivement en œuvre, créer et mettre en œuvre à disposition des élus une intelligence collective d'un territoire, c'est fondamental. Et finalement, elles amènent à conduire une transformation de l'action publique. Et on peut citer en termes de méthode. Tout à l'heure, Monsieur Paul citait la maison de retraite du futur. Ça nous avait beaucoup intéressé, ce projet. Et pour le concevoir, ils sont allés chercher un laboratoire de design thinking qui procède par une analyse des pratiques, des usages, et qui, à partir de ça, avec toute une série d'entretiens, réussir à construire une vision commune de cette maison de retraite du futur. Donc, toutes ces méthodes nouvelles apportées par ces acteurs, c'est formidable pour faire avancer le territoire dans la construction d'un projet politique. Ces dynamiques collectives, elles apportent beaucoup plus de transversalité. Elles obligent les collectivités territoriales à décloisonner, parce que très souvent encore, les pouvoirs publics fonctionnent par silos entre les différentes directions. Or, toujours, elles abordent des sujets qui ont besoin de transversalité. Ensuite, elles apportent autour des projets une mobilisation des habitants. Donc ça, c'est quand même un levier considérable pour les pouvoirs publics. Et puis enfin, elles réussissent à faire émerger des ressources sur le territoire, parce qu'en mobilisant les habitants, on les remet en capacité d'agir. Et donc, finalement, ça permet de révéler des ressources et des potentiels de créateurs d'activités et de projets sur un territoire considérables. Donc, tout ça, je crois qu'il faut bien le valoriser et bien avoir conscience que toutes ces collectives, toutes ces transitions collectives, elles apportent vraiment des éléments de transformation du territoire, mais qui, du capital, en fait. Elles apportent un capital social, elles le mettent en valeur beaucoup plus, assez considérable. Et puis enfin, on a pu constater qu'elles ont réussi très souvent à faire émerger des nouveaux sujets. On avait pris l'exemple de l'agriculture urbaine, le sujet d'agriculture urbaine de circuit court, dont beaucoup de pouvoirs publics locaux maintenant se sont emparés, a été révélé et vraiment mis en avant et valorisé par des citoyens et par des dynamiques collectives de transition.
Merci beaucoup. Nicolas, est-ce qu'il y a des questions rapidement pour clore la table ronde ? Une rapide précision à destination de Marie-Martine Poirot. Est-ce que vous pourriez donner préciser peut-être combien de partenaires au total votre PAT brasse, et puis donner une fourchette du budget alloué par Doisy Aglo, peut-être dans un premier temps ? Oui. Alors, une centaine de partenaires en termes de structure. Et par ailleurs, on essaye d'intégrer la population, donc de mener des actions spécifiques pour que tous les habitants puissent parvenir. Mais en structure construite, j'allais dire ayant un président, etc., il y a une centaine de structures. Le budget alloué aujourd'hui est à peu près de 700 000 euros tous les ans. Sachant que par rapport à ça, donc, il y a une équipe de 7 personnes qui travaillent, puisqu'il y a un rôle d'animation qui est extrêmement important. Et puis, 3 appels à initiatives qui sont lancés tous les ans, un sur l'agriculture, un spécifique sur l'alimentation, et on a voulu mettre l'accent sur les changements de pratiques des agriculteurs. Donc, on lance aussi un appel à initiatives sur la bio. Et en prévision, justement, on a de lancer par la suite un appel à initiatives citoyennes. Là, on est en train d'essayer de construire le modèle par rapport à ça. Village du futur ont pu réagir conjointement Christian Paul et Anne Algret sur le chat directement, donc sur un certain nombre de points, mais peut-être l'habitat collaboratif, participatif, intergénérationnel. Est-ce que les villages du futur ont un projet dans les tiroirs, songent à développer ce type de projet, aujourd'hui tout à fait porteur de sens ? Ah, Monsieur Paul, que vous êtes toujours parmi nous ? Absolument, oui. Oui, super. Oui, habitat intergénérationnel, oui, il y a des projets qui sont nés de la réflexion collective dans les villages et qui ont cet objectif-là. Ils ne sont pas forcément des habitats coopératifs, ils obéissent encore à des formes plus traditionnel avec des bailleurs sociaux, avec parfois la mutualité aussi qui met en avant ce type de projet. Ce qui est certain, c'est que quand ces projets naissent, ils gagnent à être imaginés par les habitants, par les futurs usagers de cet immobilier d'un nouveau type. Et pour penser les services qu'il faut mettre autour de cet habitat, là aussi, si on veut faire un travail sérieux, il faut vraiment le concevoir, non pas comme une offre parachutée, mais vraiment comme des besoins que l'on réfléchit, que l'on conçoit avec les habitants. Et c'est là d'ailleurs que les équipes de designers peuvent être tout à fait intéressant, parce que c'est leur métier justement de partir de l'expression des besoins des usagers pour créer collectivement l'offre de service. Et peut-être une dernière question, Fondation de France, mine d'idées, le récit de territoire, il y a eu des questions sur quelles techniques pour le construire et le nourrir. Peut-être que Euralance aussi, cette initiative dont vous êtes proche, est intéressante à ce titre. Quelques mots ? Il faut remettre votre micro, Monsieur Corouge. Je n'ai pas bien compris la question, Nicolas. Les techniques de construction d'un récit du territoire, d'un récit fédérateur, c'est que Euralance, par exemple, le faire avec le projet des projets tout à fait intéressants du territoire qui sont mis en perspective collective, qui sont racontés dans le cadre des événements, etc., et auxquels aussi vous avez pu être associé. Est-ce que 2 mots là-dessus, peut-être ? Oui, je pourrais prendre pour exemple un document que nous avons travaillé avec Euralance, hein, Fondation de France et Euralance, 100 projets sur un territoire, qui est une sorte
de cartographie des idées et projets qui ont été soutenus à la fois par, soit par Euralance, soit par Minidée, soit par les deux simultanément, et qui a été largement distribué en 2019 lors de, des événements qui ont été mis en place pour fêter les 10 ans d'Euralance. Donc voilà, c'est un projet que nous avons travaillé ensemble, une cartographie qui est disponible dans différents endroits sur le territoire et qui permet à tout un chacun de pouvoir avoir connaissance de l'ensemble de ces projets avec quelques coordonnées leur permettant de prendre contact avec les porteurs de ces projets. Par exemple. Merci beaucoup. Peux dire un mot sur ce dernier point ? Allez-y, oui. Bien sûr. Oui, je crois, vous voyez, moi j'étais souvent dans le doute sur la nécessité d'avoir recours à ces techniques narratives pour les territoires, mais maintenant, avec un peu de recul, je pense que c'est très important, parce que si nous n'écrivons pas collectivement, si les habitants d'un territoire n'écrivent pas ce récit, ce sont les autres qui l'écrivent à leur place. Et avec des mots qui ne sont pas les nôtres et souvent avec une vision des réalités qui ne sont pas les nôtres. Donc je crois que c'est important d'écrire le récit du territoire. Sinon, on l'a vu, je le dis sans malice, on l'a vu un peu tout à l'heure, d'abord ce sont les idées noires qui viennent des premières et je préfère un récit qui ne cache pas les difficultés mais qui est ouvert vers l'espoir plutôt qu'un panoramique en noir et blanc. Si je peux ajouter quelque chose, nous avons rencontré, nous rencontrons des difficultés pour fédérer les acteurs de tout ce qui est précarité alimentaire. Et donc, nous venons de retenir là aussi cette technique de rechercher la narration pour arriver à fédérer sur notre territoire les acteurs de la précarité, toutes ces structures associatives qui font des choses fabuleuses, mais pour lequel on a un gros problème, c'est qu'elles ne travaillent pas ensemble. On n'arrive pas à trouver le biais permettant de les faire travailler ensemble, et donc on va tester justement cette technique normalement à partir de cette année. Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on a dépassé l'heure. Je vais laisser la parole à Marie pour quelques petits mots de conclusion. Merci à tous, en tout cas, d'avoir contribué à présenter vos initiatives ainsi qu'aux participants. Et à mon tour, il me reste à remercier l'ensemble des participants cet après-midi pour leur mobilisation, l'ensemble des intervenants aussi dans ces conditions si particulières. Je crois que vous avez bien donné à voir et à vivre toutes ces initiatives qui sont reprises dans l'étude. Je remercie évidemment Odile Kirchner pour tout son travail sur cette thématique et l'ensemble de sa task force. Merci à la Caisse des dépôts à nouveau pour son accueil aujourd'hui. Tout ce travail, à la fois les questions de fond et les questions de méthodologie, sont évidemment à retrouver dans le rapport final qui est diffusé en ligne sur le site de labo de l'ESS à compter de cet après-midi. Le replay de cette conférence sera disponible demain dans la journée. Et puis, on vous donne rendez-vous pour une prochaine restitution sur la thématique de la santé le 9 février après-midi.